Oh, mon rouge à lèvres, j'ai pas de rouge à lèvres. Ah, je vais me désoler pour le retard. J'ai un peu. Where did you call me? Don't call me again. Don't hear me. Now wait. No Bikin call me. I don't tell you from no Bikin call me. You don't hear me? No, me have to tell you to not call me again. I go vex for you. You don't hear? I say no call me again. No, you understand? I don't marry it. I get my husband, no call me again. Beg. I just beg you. I get my husband, no call me again. Sorry, no call me again. Moi, va pas parler avec toi. Moi, toi, dis-toi que toi, nous appelle-moi encore. Toi, nous comprends. Toi, nous appelle-moi encore. Toi, manque beaucoup. Toi, compris. Toi, série. Non, appelle-moi toujours. Toi, appelle-moi pourquoi? Hein? Tell me. Non, call me again. I tell you, non, call me again. You know, yeah. I get my husband. No, you can call me again. Beg. I judge the beg you. I don't marry. Yes. Yes, no, you can call me again. I say, I tell you, say, no, call me. Okay. You deep boy, you deep, oh, you lie. You choose the lie. Don't hear me. Well, moi, dis-toi, non, toi, non, appelle-moi encore parce que toi, menti beaucoup à moi. C'est quoi? Oui. Maman, I know be your mother, I know fi born you. I say, toi non, appelle-moi encore. Toi non, appelle-moi, de occupé. Ton grand soeur, moi non, parle avec ton grand soeur. Ouais. Je ne veux pas. Moi, dis-moi, toi, moi non, parler avec ton grand soeur. Non, ton grand soeur, na où? I know talk with you. Donne-moi mon rouge. Bébé. I say I don't want to talk with your sister. Toi no comprends moi. Toi dis boy. Toi no compris. Moi veux plus parler avec toi. Tu compris? Okay, ça va. Ah. Personne say no going to talk. You force me. Antes ça no want go Nigeria. Maman, si tu parles avec elle, moi non parle avec toi moi non parle avec toi. Toi tu forces me to parle. C'est la nuit, moi dormi avec mon husband. Mon mari est couché, hein? Chérie. Okay, moi appelle mon mari tout de suite, chérie. Bébé. Bébé. Oh, donne le téléphone. Moi donne le téléphone à mon mari. Oui, donne-le, c'est mon frère. Donne-le téléphone. Toi parle quoi? Moi, mon mari casse toi la gueule. Ok, donne-lui le téléphone. Pourquoi? Tu vas parler avec toi. Tu vas parler. Moi, non, parler avec toi. Donc, il y a. Donne-lui le téléphone. Ma husband, go do you something. Chérie. If I play, if I play, wait. He wants to be with my husband, that's all. Wait, I call my husband. Wait, I call my husband just now. I call you, he go tell you thing we want to tell you. Share. Wait, he go, my husband not to play. Share. Bébé, pardon, mais pas au téléphone, parce que le gars qui me drague, je refuse. Tu forces moi, toi drague moi, je refuse. Toi, harcèle moi, pourquoi? Now by force. Ouais, chérie, voici Nanja boy go disturb me. Attends. Ok. Ben pardon, viens s'il te plaît. Toi va dire lui quoi? Bon, toi veux dire quoi mon husband? Tu veux dire quoi? Dis-moi d'abord, tu veux dire quoi mon mari? Maman, donne-lui le téléphone. Mais tu dragues la femme de quelqu'un. Toi, veux parler quoi à mon husband? Toi, tu veux parler quoi à mon mari? Tu veux dire quoi? Hein? Maman, c'est le
c'est les hommes, là. Si il me dit que dis comme ça, demain, je vais dire que c'est. Moi, je vais dire à toi que toi, non, appelle-moi. Non, moi, je toque, non. Moi, je toque, toi, c'est. No begin de parler for me. I de leap you. Good night. Excusez-moi. Désolée pour le retard. Bonsoir tout le monde. Désolée, hein, j'étais au deuil. Je viens comme ça d'un deuil à Paris. Et pardon, je suis en retard. On va rester jusqu'à 1h du matin. C'est quoi, non? Do useless boy, Nigeria boy. De quoi, c'est comment, non? Le Nigeria, c'est quoi? C'est... Nawati. Et des fois, tu fais Cameroun boy. Go find Nigeria woman. Then they find. Then the Boku and then the day street. Go carry one girl for street, no? He get your sister away, then the day for street. Then you walk for street. Go carry your sister. What they call me? Did some container the woman like me? You know, they say me. I beg. I don't want to talk. You don't like me, no? Hein? Ce n'est pas ton goût. Va partir ta chaise, tes soeurs, Nanja, for street. Then you walk for the street. Go carry the dépose-moi. Mais le gars, si tu manques, pourquoi tu manques comme ça? Last time we don't give me money, don't do how many years. We don't give me money. How money you give me? That money, how much you give me? How much you give me? How much money you don't give me? I say, how many money you give me since how many years? 4 years, you don't give me how much, how many money? I give you 6,000 euros. If you give me 6,000... €6,000. Oui, tu m'as donné 6 000 euros. You give me 6,000 euros. It don't durer longtemps. I don't go weekend with you, no? 6 000 euros, Naweti. It disturb me. They call me for sick. I say, you give me 6 000 euros depuis. Naweti, no call me again. Non, non, appelle-moi encore. C'est quoi? Hey, pardon. If he, hey, pardon. C'est quoi? Pardon, excusez-moi, je vais partager. C'est quoi? Marco, c'est comment ma pépé? Oh, je suis fatiguée, Marco. Wesh, j'ai dit qu'un jour. Le Nigeria, si c'est comment, non? Je vais te donner la baie, sa mère. Je vais te donner. Je donne le nom, la baie, sa mère, je te donne. Je te fais la passation. Je te passe. I want to give you number for my sister. Mm-hmm. I give you number for my sister. She did for where? Il est pour where? De ma sister, de Morocco. Ouais, give a number, make a. Okay, give a. I want, if you like, I want go Morocco. Give a number. Ouais, put a. Mette the conference call, s'il te plaît. Yes, one call, but you want go. How much you go give you? Baby, I don't get money. I get 18 000 euros. Bon, si, même si je vais pas avec. Je vais donner même si c'est même. 5 000, s'il te plaît. Parce que tu sais que je vais partir là-bas pour le travail, non? Ok, c'est ami, c'est bon. I give you number for my sister, de Morocco. Non, je vais pas. Mettez elle dans le conference call. Yes, I tell you, I give you number for my sister. He define married, na serious woman. He go give her the 5,000. No problem. I say say no be married now. Serious girl we define. No, I tell you say me I no get time for do serious. You define serious. I pass you some woman. Wait, I give you my. You want say I give you 5,000? Give you my girlfriend. One for my girlfriend. You give a rendezvous. You want give which country? Tell me the ticket for billet d'avion. Yes, I hear you. Mm-hmm. If a woman. But not to say get 7 000 euros. If you get 7 000 euros, next time give me 6 000 euros. You don't dure depuis. Since then, you don't get money again now. Okay, baby. If I buy a ticket. Yes. Tunisie. Même si c'est Maroc, même si c'est Tunisie, c'est bon. Je sais que toi, tu ne peux pas venir en France. Ce n'est pas un problème. On va te retrouver là-bas. Voilà. Tu veux quand? Maroc. Ok, tu achètes d'abord son billet d'avion, tu m'envoies. Ok?
J'ai pas acheté de billets d'avion pour elle, non. Tu vas venir, on est ensemble. Oui, on est ensemble. Tu achètes deux billets d'avion, il n'y a pas de problème, je l'accompagne. Ouais, mettez le conference call. I call you. Wait, I go call her later. Now I'm there for toilet. I want bath. I wash my. I wash my. Put video maker. Put me. I wash my toto. Now waiting. Now waiting. Wait, baby. Baby, make her tell something. Now waiting. Baby. Now waiting. You don't get money now. No get. No, baby. You know. Baby. Baby. You know why. You know why I trust you. You know why I trust you? Why? They say if you get woman, they go put your picture. They go put for Facebook. They say Philo Lily. They tell me say baby, yo, baby. I'll call you later. Wait, I'll call you. Baby. Where? Baby. Oh. Baby, listen. Send me 1,000 tomorrow. Ah. Non, c'est quoi? Parlez, c'est quoi? Donne le nombre de qui? Argument pour ma sister. Tu peux exercer, tu me donnes quelque chose. Je vais te placer, tu me donnes rien. Ouais, le gars, ça va bloquer. You are not coming again. Wait, I did my husband. Donc, wait, I finish now. Wait, I. Oh. Yes. If you come Cameroon. If you come come Cameroon. No, baby. No, baby. Wait. Tu peux venir au Cameroun. If you buy a ticket for Cameroon, I give you one girl for day. Tu manques trop. Ouais, ne m'appelle plus. Oh, dis donc. Le gars, s'il manque trop, dis donc. Moi, j'aime pas les menteurs comme ça, dis donc. Ne m'appelle plus. Vraiment, je vais le bloquer. Vraiment. C'est quoi? Oh, y'a Nawiti. Nawiti. Oh, I beg you. No. I enter taxi with you. I reach the destination. You don't get money for pay. You won't send me to go pay taxi. You don't give me shame. No, baby. You don't get money for take taxi. Na me. You want to gigolo for me. For 6 hours, if you give me 6,000 long time. You know, they good. Leave me. Pardon, bonsoir tout le monde. Je sais que vous allez bien. Bonsoir. C'est quoi, non? C'est quoi les Niger? C'est quoi? Je suis Nadja, moi. Il y a des filles nigériennes placées partout, non? C'est quoi? Oh, c'est quoi? Je vais bloquer le type-ci, vraiment. Je ne le connais pas. Je l'envoie le numéro de Boussangui. C'est quelqu'un qui a peut-être saoulé. Moi, je ne le connais pas. Bon, bonsoir tout le monde. Désolé pour le retard. J'étais au deuil. Voilà, attendez, je vais partager le live sur l'autre direct. Voilà, pour ceux qui veulent rester, vous restez. Ceux qui veulent partir, partez. Vous n'allez pas me dire, c'est vous qui venez dans mon direct, comme dit Nivakin. Vous n'allez pas me précipiter en disant bonne nuit. Ok, bonne nuit. Kowo, bonne nuit. Bonne nuit, alors. Quoi, c'est d'où je viens là? Ne me mettez pas la pression. Bon, mes chers frères et sœurs, je suis là ce soir pour parler d'une dame, Marthe Chopa, de son nom de naissance Zoa, comme on l'appelle sur Facebook. On l'appelle Zoa. C'est d'elle que je suis venue parler ce soir parce que, attendez, je finis d'abord. Bonsoir à tout le monde, bonsoir les cœurs, vous allez bien? Voilà, désolé pour le retard, c'est parce que je suis partie à un deuil, donc je viens de rentrer. Voilà, je vais déjà vous dire merci, je voulais vous remercier infiniment, je vous remercie tous de m'avoir suivi et de m'avoir accompagné chez le couple Maison pour m'exprimer. Donc, je vous remercie de m'avoir accompagné.
J'ai vu que vous avez apprécié, vous étiez nombreux à apprécier mon passage. Et je vous remercie infiniment. C'était sincère. Je ne suis pas une tricheuse. Je ne sais pas tricher. Donc, j'aimerais remercier encore une fois de plus le couple Messant de m'avoir laissé passer dans le mur. Et je voudrais vous informer que je suis rentrée à la maison. J'étais passée là-bas parce que je n'avais pas fini de m'exprimer. Donc, je suis passée là-bas pour finir ce que j'avais à dire. Et je pense que ça s'est bien fini, qu'on s'est bien compris et tout. Donc, maintenant, je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée, je suis ici. Ici, à la maison, nous sommes ensemble, comme d'habitude. Donc, je vais parler déjà de la soirée d'hier. Je tenais à remercier infiniment, vraiment, à dire un grand merci à Makabo, le frère de Mama Perpé, qui m'a invité à son anniversaire, qui a eu lieu à la soirée des Bangos. Donc, c'est derrière compresseur. Comment vous dire que la paix est bien? Vous croyez que c'est la rigolade? La paix, c'est une très bonne chose. Je n'ai pas beaucoup de voix parce que je me suis beaucoup amusée. J'ai une joka à fond. Donc, j'aimerais d'abord remercier Compresseur Mako qui m'a invité à l'accompagner et remercier le grand Makabo, les Pécunis, ceux qui tapent là. Voilà. Le grand artiste Makabo qui est le frère de Mama Perpé. C'était son anniversaire à la soirée des Balingos à Paris. C'était une soirée. C'est une soirée qui a réussi. C'était magnifique. Merci au président, à la personne qui a organisé, qui a pris l'initiative de faire cette soirée. C'était leur 30 ans. Leur 30 ans d'existence à Paris. Balingos. Si je meurs, si je meurs, amenez-moi, amenez-moi à Balingos. Non, c'était trop bien. Je fais un big up à toute la communauté Balingos de France et du Cameroun. Vraiment, votre soirée était exceptionnelle. L'ambiance était bien. J'ai beaucoup aimé. C'était bien. Merci aux fans, aux personnes qui nous apprécient. Qui était à cette soirée. Merci à l'artiste Jackie Kingé et aussi à l'artiste qui venait de Lille, qui est l'un de nos frères, c'est un ancien footballeur qui est devenu artiste. Donc, merci beaucoup à Jackie Kingé. Merci à The Voice. Merci à DJ Margellan. Merci à celle qui sert souvent, là, comment on l'appelle, dans les soirées, elle a sa société. Qui fait le service. Oh là là, pourquoi ça m'échappe? Oh là là. La petite jeune là. La petite jeune qui sert dans les soirées. Elle est camerounaise mélangée. Bangou. Ah, c'était la soirée Bangou. Non, c'était une soirée réussite totale. C'était vraiment une réussite totale, Bangou. Bashingou. Ah, Bangou est différent de Bashingou. Hein. Waouh. Vraiment un big up au Bashingos. C'était vraiment bien. J'ai rencontré beaucoup de gens que je n'avais pas vus depuis. C'était beau. J'ai beaucoup aimé. Merci à Raïssa. Raïssa, notre serveuse, c'est qui me met toujours à l'honneur, qui s'occupe toujours très bien de moi. Merci au doudou de Mama Perpé. Vraiment merci. Merci à la femme de Makabo. Qui est très sympa et tous ceux qui accompagnaient Makabo, c'est vrai, je ne les connais pas, mais je cite leur nom, le nom de Makabo et sa femme, parce que bon, je pense qu'en les citant, c'est pas, ça ne peut pas me causer de problème, vous voyez, je ne vais pas citer les gens que je ne connais pas, après demain, ils vont dire que j'ai prononcé leur nom sur Facebook, vous savez que Facebook, c'est là, parfois tu me parles de quelqu'un en bien, demain, on va les transformer, mais je sais que si je parle de Makabo, il ne va, au contraire, il sera content, donc, vraiment, le plaisir était pour moi. Je voulais remercier le doudou de Mama Perpé, et surtout dire aux gens que je suis avec Mama Perpé aujourd'hui, demain et après-demain,
et vous rassurer de notre amour, de notre sincérité. Surtout, dis à nos détracteurs que plus vous nous détractez là, plus les gens nous aiment. Parce que j'ai remarqué qu'en quelques jours, notre cote de popularité, c'est comme là où on fait souvent l'argent là. Là-bas où on... comment on appelle là? Où on met souvent les prix des pétroles, tout ça là. Bref, notre cote de popularité a encore augmenté grâce aux détracteurs. Je serai toujours heureuse que vous parlez de moi. Vous parlez de moi parce que vous dépasse. Vous parlez de moi parce que vous êtes jalouse. J'ai comme impression que la bourse, voilà. Ça dit que notre cote de popularité est en haut comme la bourse. C'est dans notre intérêt que vous deviez parler de nous. Ça nous profite à nous. C'est ça. Donc ne pensez pas qu'en parlant de nous, vous nous rabaissez. Non. Quand plus vous parlez de nous, plus les gens nous découvrent, plus les gens nous aiment. Parce que quand vous parlez de nous avec beaucoup de mensonges. Et quand les gens viennent nous écouter par curiosité, ils calent. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont calées ici, là. Que quand je dis, depuis 20 heures, vous tapez mon mur, non? Est-ce que c'est n'importe qui qu'on cherche comme ça? Depuis 20 heures, vous avez déjà fait les doigts, changer de téléphone pour regarder que, mais elle n'est pas encore en direct, qu'est-ce qui s'est passé? Merci pour tous ceux qui m'envoient les étoiles, c'est gentil. Merci infiniment. Donc depuis 20 heures, je suis sûr que vous tapez, 21 heures, vous avez tapé, vous dites que, mais elle ne fait plus le direct aujourd'hui. Bien sûr que je suis là. Et je voulais vous dire que les gens nous aiment encore plus. Parce que j'ai constaté, parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai vu à la soirée des Bashingo. En passant, je vais un big up à la communauté ivoirienne, parce qu'à côté, il y avait une salle ivoirienne où il y avait un anniversaire, on m'a tiré. Du coup, ma faux, viens, on veut te voir, je suis allée faire un coucou. Ils étaient vraiment très agréables. Merci à la communauté ivoirienne, merci à tous les Ivoiriens qui me supportent, qui me soutiennent au quotidien. Merci pour votre soutien. Cela me va droit au cœur. Cela me touche profondément. Merci de voir que je subis de l'injustice sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir découvert que c'est de l'injustice, que c'est de la jalousie, que c'est parce que ces gens ne peuvent pas faire le peu que j'ai fait. Voilà pourquoi ces personnes me jalousent. Sinon, je ne les connais pas. Ce sont des gens qui veulent entrer dans ma vie privée. Je n'en dis combien parce que je suis une star. Et une star, on doit entrer dans sa vie, on doit chercher. Je ne refuse pas. Mais il ne faut pas mentir. Parce que ces gens passent leur journée à mentir sur moi. Ce soir, dans le lot, j'ai pris une personne. Et je vais vous parler de cette personne aujourd'hui et maintenant. Mais avant de revenir sur cette personne, j'aimerais encore souhaiter de tout cœur les sincères condoléances au général Marcel qui a perdu son père. Vous voyez que dans le combat, il y a ce qu'on appelle le sacrifice. Elle a perdu son père. Et elle pleure. J'aimerais dire au général Marcel, tu es à notre soutien. Et dire aux gens, c'est pas parce que on dit bonjour à quelqu'un qui est dans la base, qu'on fait partie de la base, non. Parce qu'avant que la base, avant la création de la base, il y a des gens qui étaient des amis, qui se sont séparés, qui se sont remis ensemble, qui se sont reséparés. Donc, entre base, patriote, ce n'est qu'un détail. Voilà, nous sommes ensemble à la diaspora. On doit se soutenir, on doit se respecter, même si on ne s'aime pas. Voilà. Dans le lot des personnes qui me détestent, des personnes qui me dénigrent en longueur de journée, j'ai choisi de prendre une personne avec qui j'ai eu à manger, avec qui j'ai eu à boire, et je vais entrer dans l'histoire. Elle s'appelle Marthe Chopard sur Facebook. Je vais boire un peu d'eau. Il faut la biper. J'ai décidé aujourd'hui, parce que vous savez, beaucoup de gens me clashent pour chercher la visibilité. Mais dans le lot, c'est à moi de choisir qui je réponds. Sur Facebook, je vois tout.
Je n'ai plus besoin que les gens m'appellent pour me dire que tel t'a répondu, tel a fait ceci. Que ce soit mes amis, que ce soit ma famille. Déjà, ma famille ne m'appelle pas concernant Facebook. Aujourd'hui, je devais être même à l'anniversaire d'un membre de ma famille qui a eu ses 50 ans, Tata Antoinette. Joyeux anniversaire, mais je n'ai pas pu être là. Parce que je suis sortie hier, parce que je n'ai pas... Voilà quoi, je n'ai pas pu être là. Donc, je voudrais dire, vous dire que ce qui est sur Facebook, nous tous, nous sommes là. On voit. Oui. Et j'ai mes agents de sécurité qui sont les abeilles. J'ai des personnes qui, en qui je fais confiance, même si je dors, ils vont combattre pour moi. Je n'ai pas besoin de venir répondre aux petits nyama nyama qui cherchent la visée de Facebook en prononçant mon nom. Pourquoi? Il y a beaucoup là. On peut être riche et ne pas être respecté. On peut être riche et chercher à ça que, et chercher à parler d'une personne qui nous fera connaître que nous sommes riches. Mes chers frères et sœurs, les gens qui ont les moyens ne se pavanent pas sur Facebook pour dire que j'ai. C'est parce que ces personnes-là cherchent la reconnaissance. Ces personnes-là veulent que les gens voient qu'ils se lavent dans le jacuzzi, que les gens voient qu'ils ont, je ne sais pas, ils ont belle voiture. Ils cherchent que les... Sinon, tu vas rester chez toi, tu sais, c'est pour toi. Mais si tu viens t'attaquer à Fleur de Lys parce que tu veux que je parle de toi, parce que tu veux que je parle de toi, que je prononce ton nom, tu sais, c'est à toi que je m'adresse. Tu sais que je m'adresse à toi. Tu peux être multimilliardaire. Ça ne m'intéresse pas. Tes milliards, c'est pour toi et ta famille. Donc, si tu prononces mon nom sur Facebook parce que tu veux que je parle de toi et pour que tu aies été lavé dans ta piscine, ma chérie, je ne te gère pas. Tu peux parler encore de moi 100 ans. J'en ai rien à foutre avec toi. Je n'ai pas peur de toi. Parce que c'est moi qui fabrique et défabrique. Et on a vu. Je suis la fabriqueuse et défabriqueuse. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Quand je suis quelque part, je n'ai pas besoin de dire que je suis là. J'ai les ondes positives. C'est-à-dire que quand j'entre quelque part, mon étoile brille tellement que même ceux qui sont dans la salle ressentent qu'il y a une présence. Je dégage l'énergie positive dans ma vie. Quelque chose que vous n'aurez jamais. Cherchez à être vous. Ne cherchez pas à être moi. Parce que je ne vais jamais chercher à être vous. Je suis Fleur de Lys. Dans le lot, j'ai choisi Marthe Choupard. Marthe Choupard. Je vais vous parler de son histoire. Cette vieille mère, cette vieille chouette qui s'attaque en longueur de journée à une petite fille comme moi. Je ne suis pas son égale. Je n'ai pas son âge. Je ne sais pas pourquoi elle s'attaque à moi. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais, je demande à sa famille, aux personnes qui l'entourent, à ses proches, nos amis en commun, j'aimerais que vous posiez la question à Marthe Choupard. Qu'est-ce que Fleur de Lys t'a fait? Qu'est-ce que Fleur de Lys te doit pour que chaque fois tu la dénigres, chaque fois tu parles d'elle, elle ne te répond pas? Je vais vous donner des années. On va commencer par des années. J'ai connu Marthe Choupard sur Facebook entre 2008 et 2009. On va compter les années. J'ai connu Marthe Choupard en 2000. Si je viens aujourd'hui parler d'elle, c'est parce qu'elle va, elle est allée vraiment loin. Je ne sais pas si elle se rend compte, mais elle est allée loin avec moi. Et ce soir, je lui dis, c'est l'ultimatum que je lance à toi. Marthe Choupard, tu vas faire les directs sur Facebook. Si tu prononces encore mon nom en me dénigrant, tu vas entrer officiellement dans les clashs parce que tu es déjà. Je te préviens, je ne sais pas ce que tu me veux. Je ne sais pas ce que tu me réclames. Je te dis donc ce soir, si tu essayes encore, si tu essayes encore de prononcer mon nom sur Facebook,
Je vais me battre avec toi. Je vais me battre avec toi. Tu as compris? Je vous raconte l'histoire. J'ai connu Marthe Chopa en 2000, entre 2008 et 2009. Entre 2008 et 2009 que j'ai connu Marthe Chopa. Notez les dates. Entre, on va noter entre 2008 et demain c'est férié hein, en France et 2009. Je l'ai vu entre 2008 et 2009 que j'ai rencontré, que j'ai connu Marthe Chopa. J'ai connu Marthe Chopa via les réseaux sociaux. C'était au début des réseaux sociaux. C'est ces vieilles, ce sont ces bandes de vieilles sorcières qui ont ramené dans les clashs dans la communauté camerounaise. Ne les voyez pas comme ça. Elle et Coco Mimban avaient les, elles étaient un groupe qui faisait les clashs. Mais elles s'acharnaient sur une personne. Carole Abena. Abena. Elles s'acharnaient sur Carole Abena. Carole Abena était donc leur mouchoir. Carole Abena était leur torchon. Elles se sont acharnées sur Carole Abena. Je voyais, c'était au début là, moi j'étais chez le Wama, je n'étais même pas encore dans les histoires de clash là. C'était les premières fois qu'on publiait la nudité d'une femme. Parce que elle, son gars, son show, l'avait publié sur Facebook. Sa nudité, elle était debout comme ça. Elle était debout comme ça. On avait publié, elle avait mis la tête, elle avait la casquette, elle avait filmé comme ça pour envoyer à un lion indomptable de la gnasse. C'est-à-dire qu'elle a filmé, elle s'est mise comme ça, elle a mis la casquette sur la tête. Elle s'est filmée comme ça, les poils. C'était l'époque où peut-être les hommes en Afrique aimaient quand les filles chôlent, quand les filles tressent les poils. Je pense que c'était l'époque quand les hommes en Afrique peut-être aimaient quand on chôle les poils. Les, oui, Oro Angula, ils étaient dans les clashs là. Hein? Elle a fait la photo comme ça, avec la casquette. Elle était là, elle a envoyé à son show. Son show l'a mis sur Facebook. Ça, ce n'est même pas encore le moment. Avant ça, moi, je contacte Marthe Chopa. Pourquoi? Parce que je vois l'acharnement sur Carole Abena. Je vois une fille que tous les jours, vous savez, au début de Facebook, là, on ne comprenait pas bien. Ils avaient que les numéros. C'était, ils avaient leur truc là, où c'est sous le baobab, où c'est sous le manguier. Les, on notait seulement comme l'équipe de foot, numéro 5, numéro 12, numéro, ils avaient les équipes de clash. Mes chers frères et sœurs, un jour en zappant Facebook, je ne sais pas, on m'a identifié. Ils avaient une bande où c'était un groupe. Oh. C'était même pas un groupe, c'était quand on t'identifie. Je suis entrée, je suis allée regarder sans m'en rendre compte. J'ai commencé à voir comment. Et on publie les photos. Et publier les photos de Carole Abena. Ce sont aussi les photos de Coco Mbimban. On postait Carole Abena. On mettait ses photos où elle était. C'est-à-dire que c'était des trucs vraiment hard. Et puis, comme il y avait son contact, le contact de Marthe Chopa, moi je l'avais écrit. Elle vendait, elle venait de commencer son commerce. Elle faisait la publicité. Elle venait de commencer son commerce. Je suis l'une des premières clientes. Marthe Chopa, je suis l'une de tes premières clientes. Et la fille que tu insultes aussi aujourd'hui, Flore de Lille, on dit chez nous, quand la première cliente tend la main pour acheter une marchandise, si la personne a une bonne main, tu vas vendre toute la journée. Je t'ai donné la chance. À l'époque, il y avait la tenue qu'on appelait Hervé Léger. Hervé Léger, elle venait de commencer. C'était à la mode. Parce que les filles mentaient qu'elles achetaient sa chair, les 2000 euros, les 3000 euros. Elle vendait Hervé Léger la robe à 400 euros. Et moi, j'achetais chez elle. Sans vous mentir, c'était de la qualité. J'étais la première cliente. Je lui ai donné le bonheur, je lui ai donné la chance de vendre ces choses il y a longtemps. Entre 2007 et 2008, voire 2009. J'achetais les choses. Parce que ça me plaisait bien. Quand j'achetais, elle envoyait. Quand je recevais,
je portais, c'était bien, tout le monde, voilà. Mes chers frères et sœurs, un jour, je dis à Marthe Chopin que, mais je l'appelle, je lui dis que, mais pourquoi est-ce que les gens sont en train d'insulter une fille qu'on appelle Carole Abena? Elle est jeune. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi vous l'insultez dans le groupe là? Parce qu'elle a menti sur moi qu'elle et moi, on utilisait un profil. Marthe Chopin, comment tu peux mentir sur moi? Que toi et moi, on utilisait un profil qui était le faux profil. La personne était métisse. C'est toi qui étais métisse sur un faux profil. Et je me suis présentée, j'avais mon vrai profil. Et c'est toi qui m'as dit que tu es le faux profil métisse. Que tu m'as même dit que c'est ta soeur. Mais que tu utilises le compte de ça. Pourquoi tu oublies? Quand tu dis la vérité dans la vie, tu ne peux pas mentir. C'est toi qui tu avais un profil. Toujours les faux profils avec les numéros. Hein, c'était les numéros. Numéro 12. Les faux profils. La langue mimbou. Les ceci, cela. Non, c'était en 2012. Merci, chérie. En 2012. Merci. Donc, on me dit que c'était en 2012. Merci. Donc, c'était en 2012. Mes chers frères et sœurs, de 2012 à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Nous sommes en 2022. C'était en 2012. Nous sommes en 2022. Ça fait 10 ans. J'ai dit que ça fait 10 ans. Bien compté. Je vous dis donc, Marthe Chopin, je l'interpelle par rapport à Carole Abena. Je l'appelle, hein. J'écris avec elle. Je lui dis, écoute, je vais acheter les habits. Je lui dis d'abord que j'ai envie d'acheter les habits et tout et tout. Je me présente. Elle m'a envoyé. Elle avait les jeux robes roses. J'ai porté ça pendant rouge. J'ai porté ça pendant des années. Ça ne s'est jamais gâté. Jusqu'à j'ai fait cadeau. D'abord, j'ai acheté une bleue. J'étais sa cliente. Mes chers frères et sœurs, elle avait un profil métisse. Elle a dit que c'était sa sœur. Marthe Chopin, je ne comprends pas comment tu peux dire qu'on utilisait le profil à deux. Si on utilise un profil à deux, ça veut dire que tu m'avais donné le mot de passe. Est-ce que tu peux prouver au Camerounais que tu m'as donné le mot de passe? Parce que je ne comprends pas, je vis à Lille, je ne t'ai jamais vu. Comment on va utiliser un profil à deux? Je veux savoir, je veux que tu expliques, parce que tu as dit à Coco Mimbang, je ne sais pas, tu racontes des conneries sur moi, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Te dis que stop! Tu allais trop loin et j'en ai ras-le-bol. Je veux que tu m'expliques, quand tu dis qu'on utilisait un profil à deux, donc, ça veut dire que tu ne m'avais jamais vu, mais tu m'as fait confiance. Tu m'as donné. Non, les directs n'existaient pas. Les directs n'existaient pas encore. Vous parlez des... Est-ce qu'on vous parle des directs? Les directs n'existaient pas en 2012. Comment? Donc, je demande à Marthe Chopin. Est-ce que tu peux prouver qu'on utilisait le même profil? Parce que pour utiliser le même profil, il faut donc que j'ai ton mot de passe. Pourquoi tu mens sur moi? Pourquoi tu peux mentir sur moi comme ça? Tu n'as pas honte? Je t'ai trop respecté. Tu crois que j'ai peur de toi? Eh, Marthe, je sais pas. Parce que je te respecte, tu crois que j'ai peur de toi? Tu es une blogueuse? Tu donnes ton avis, mais seulement tu es sagesse sur moi et je te dis stop! Je te dis arrête avec moi. Je ne suis pas ta queue-pousse. On va y arriver. Les Camerounais vont savoir pourquoi. Tu m'en veux. On va y arriver. Je prononce ton nom. Mes chers frères et sœurs, j'ai connu cette femme en 2012. Je l'ai vue pour la toute première fois de ma vie à la soirée des Ekan Betty. C'était à l'Olympia. C'était une soirée des Ekan Betty. Il y avait, dites-moi, c'était en quelle année? Organisée par Topedo. On va noter les dates. Donc, je la connais en 2012. Je la rencontre pour ma première fois à la soirée de Topedo et Camp Betty. C'est où je la vois pour ma toute première fois. S'il vous plaît. Qui se souvient? Il y avait Maman Katino qui avait chanté. Je ne suis pas pressée. Maman Katino avait chanté tout ça. La soirée de Camp Betty organisée par Topedo. C'était en quelle année? Mettez la date. Si quelqu'un se rappelle, il y avait Maman Katino, il y avait Mani Bella. C'était en 2017. Ok. Donc, je connais Marthe Chopin. Je parle avec elle depuis 2012. Et je la rencontre en 2017. Ça fait combien d'années? Quelqu'un dit 2016. Que la soirée de Camp Betty, c'était en 2016. Ok.
Il y a l'espace de combien d'années? Connaître, tu parles avec quelqu'un sur Facebook en 2012 et tu rencontres la personne en 2016. Ça fait que tu l'as vu après combien d'années? S'il vous plaît. Oui, il y avait aussi dynastie le tic. Dites-moi. On va écrire les dates. Ça fait... Hein? Donc, je l'ai vu 6 ans plus tard. J'ai vu Marthe Chopard à la soirée en 2016 à l'Olympia. À la soirée des camps Betty. On a fait la photo ensemble. J'ai revu Marthe Chopard quand j'étais au Cameroun la dernière fois pendant la CAN. Ça dit que je l'ai vu en 2016, je l'ai revu pendant la CAN. Pendant la CAN au Cameroun là. J'ai revu encore Marthe Chopard à Paris à l'Olympia. J'ai déjà vu Marthe Chopard 3 fois. Dans ma vie. Ça dit que depuis 2012 que je connais Marthe Chopard, ce nom, je l'ai déjà vu 3 fois de ma vie. Et si je mens, elle peut venir contester. Je l'ai vu 3 fois. Quand je dis que 3 fois, je vais dire, je ne compte pas le nombre de fois qu'on s'est vu passer au Cameroun. Pendant que j'étais au Cameroun, là, pendant la CAN, on s'est vu quand je suis allée chez elle. On s'est vu quand elle est venue où j'étais. Et on s'est revu au restaurant avec les Amer Kamer et les autres, avec les Choukrés. Donc, de toute ma vie, j'ai rencontré Marthe Chopard. Moi, je cite 3 fois. Quand je cite 3 fois, je ne cite pas les... Je cite que je l'ai vu 3 fois pour moi. Ah, nous sommes aussi arrivés à la télévision. Exactement. Donc, on va raconter, c'est plus de 3 fois. Alors, Marthe Chopard, j'arrive au Cameroun. Chaque fois quand j'ai vu Marthe Chopard, ça s'est toujours bien passé dans la politesse. Quand on se voit en vrai. Mais quand elle rentre sur Facebook, elle me dénigre. Elle m'insulte. Elle parle mal de moi. Elle ne me connaît pas. Elle me connaît que sur Facebook. Et quand tu as déjà mangé et bu avec quelqu'un, tu dois respecter cette personne. Je la respectais. Mais à partir de ce soir, ce respect que j'avais pour toi, Marthe Chopard, j'ai mis à la poubelle. Après autant d'années, après que j'étais vue à l'Olympia en 2016, j'étais revue encore à l'émission de la télé au Cameroun. Mais entre-temps, tu es venue en Europe. Tu m'as appelée souvent, mais on ne s'est jamais vu. Marthe Chopard, tu es qui? Tu es qui, Marthe Chopard, pour parler de moi? Tu es qui pour me dénigrer? Ce soir, je suis là pour te dire que tu es foncièrement méchante. Tu es foncièrement mauvaise. Ce que tu cherches derrière moi, Marthe Chopard, tu n'auras pas ce que tu cherches derrière moi. Si tu cherches les clashs avec moi, tu viendras sur Facebook et on va se clasher. Je n'ai pas peur de toi. Tu es qui? Tu es qui? Tu es quoi? Les nombres de fois que je t'ai vu, parce que tu passes ton temps à vouloir m'insulter, à vouloir me dénigrer, maintenant, je vais te dire la vérité, qui tu es. Marthe Chopard, tu n'es qu'une sale fille. Tu es une personne qui est très sale. Tu es une femme qui sent la sueur. Tu es une femme, je ne t'ai jamais vue bien habillée. Je ne t'ai jamais vue bien habillée. Avec tous les sacs que tu achètes en Chine, avec toutes les chinoiseries que tu vends, tu ne peux pas être propre. Pourquoi tu es sale comme ça? Tu es trop sale. Quand je t'ai vue, Marthe Chopard, déjà quand je t'ai vu à la télé, on va dire après que je t'ai vu à l'Olympia, il y a en 2016, je t'ai revu à la mission télé. Tu as vu comment tu étais habillée? Tu as vu comment tu étais sale? Tu étais avec ton porteur de sac qui t'a jeté. Le gars qui t'a jeté là. Hein? Tu as vu comment tu étais?
Mais tu ne reflètes pas l'image que tu... C'est-à-dire que tu ne reflètes pas ce que tu dis être dans la réalité. Sur Facebook, tu fais croire aux gens que tu es milliardaire. Mais avec tout l'argent que tu as. Mais tu peux te trouver quelqu'un qui va t'apprendre à t'habiller. Qui va t'apprendre à mettre ce qui correspond à ta morphologie. Tu t'es vu. Tu veux parler de moi. Tu dis que... Tu as fait un post, tu dis que les lesbiennes doivent laisser... Que j'ai voulu t'entraîner à être lesbienne. Marthe Chopin, je vais te dire une chose. Tu n'es qu'une vieille pute. Une prostituée qui a commencé. Dis-nous d'abord, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles quoi? Tu n'es qu'une pute. Parce que tu ne peux pas nous dire que tu vends les sacs à main. Mais tout le monde peut aller en Chine. Tu vends les sacs sur Internet depuis 2012 que je t'ai connue. Ce n'est pas ça qui a conçu. Tu as conçu ta maison en 10 ans. Je vais te parler de toi aujourd'hui. Tu as conçu ta maison en 10 ans pendant que tu vendais soi-disant les sacs à main. Mais on sait, tu transportes le coup. Tu travailles quoi? Les sacs que tu vends à 100 euros, 150 euros, tu peux vendre les sacs comme ça, jusqu'à faire quoi de bon avec? On sait, tu transportes le coup. Tu transportes le bicarbonate. Tu fais quoi? On qui ignore ce que les gens font en Suisse? Tu veux que je parle ici? Qui ignore? Tu nous montres que tu voyages, tu montes, tu descends, tu montes. Tu peux impressionner, impressionne les filles avec qui tu es au Cameroun. Tu ne peux pas m'impressionner en rien. Parce que je suis une star interplanétaire. Voici mon nouveau passeport. Que la France, que j'ai fait. Voici mon nouveau passeport. Quand tu fais un passeport, on te donne le ticket ici. Regarde bien. Ça, c'est mon nouveau passeport. Je n'ai même pas encore utilisé. Il n'y a qu'un visa dedans. C'est pour te dire que mon passeport était plein. Non expiré. J'ai refait un autre nouveau passeport. Je suis français. Voilà mon passeport. Au fait, c'est pour t'expliquer à quel point je voyage. C'est pour te dire que je voyage tellement. Regarde. Ça, c'est un nouveau passeport. J'ai retiré ça cette semaine. Ça, c'est le ticket qu'on te donne quand tu retires ton passeport. Pour te dire que j'ai fait le tour du monde. Je suis une fille qui voyage. Tu ne peux pas m'impressionner. Tu impressionnes ceux avec qui tu es au Cameroun, là. Moi, je voyage plus que les artistes. Tu as compris? Donc, tu ne peux pas m'impressionner en rien. Alors, je te parle de toi, Marthe Chopin, parce que tu as voulu que je te parle de toi. Peut-être on ne t'a pas encore dit. Prends soin de ton corps. Prends soin de toi. Ce n'est pas que tu as pris du poids. Quand tu étais ici en Suisse, tu ressemblais au moins à quelque chose. Un homme pouvait même te draguer sans que tu postes que tes fiches, ce que tu gagnes, sans que tu postes ton compte bancaire. Aujourd'hui, regarde ce que tu es devenu. Même en postant ce que tu gagnes par mois, tu n'arrives pas à voir un homme dans ta vie. Tu ne vas pas se faire honte. Tu as dit que j'ai voulu t'entraîner à être lesbienne. Marthe Chopin, parce que tu as envie de parler, parce que tu as envie qu'on t'écoute, je ne sais pas si tu as envie que... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu prouves aux gens? Pourquoi tu fais des posts sur moi? Écoute-moi très bien. Tu as fait la prostitution en Suisse. Tu as toujours vendu le piment. Tu as déménagé. Tu as vécu d'abord en masse. Avant de rentrer au Cameroun, tu passais les annonces. Parce que quand je t'avais eu la première fois, quand je t'ai dit, pourquoi tu t'attends à Carole Abena? Tu m'as dit que parce que tu louais la maison pour Toum le Pépé. Et que tu m'as raconté une histoire que, oh, tu l'as help. Elle était là-bas chez toi. Après, elle t'a pas payé. C'est monté. Je t'ai dit que laisse tomber. Donc déjà, tu es une grande proxénète. En Suisse, la prostitution est légale. On paye les impôts sur ça. Donc c'était ton travail. Tu louais les maisons aux femmes. Quand t'attaques, tu dis que oui, tu vendais le poisson à un milliardaire. Arrête, hein. Tu parles de Chopin. Excuse-moi, quand je tape Google, c'est-à-dire que montre-moi l'usine de la personne que tu appelles Chopin, là. Tu vas ramasser le nom de quelqu'un, d'une montre, tu colles ça sur toi, tu dis que parce que toi, tu étais marié à Chopin, là, qu'il s'appelle Chopin. Qu'il est le Chopin qu'on connaît. Tu mens au Camerounais. Poste-nous l'usine. Poste-nous un peu l'usine qu'est. Parce que les blancs que vous voyez là, mes chers frères et sœurs, eux, ils travaillent de descendance en descendant. Donc, ils travaillent. Donc, tu vas voir les photos que le grand-père avait d'abord l'usine de fabrication de montre Chopin. Après l'héritier, montre-nous une photo de famille. De la famille Chopin avec ton mari sur sa bébé. Tu encadres, tu postes sur Facebook. Sale menteuse que tu sois. Tu crois que parce que tu as posté, parce que tu dis que, ou c'est quoi Chopin, que tu dis que tu es marié un Suisse, tu étais marié un Suisse, qu'il s'appelait Chopin. Hein? Va mentir les hommes que tu dragues sur Internet, là. Va mentir ces hommes-là. Ce n'est pas, je ne suis pas ton égal. Je voulais te dire, Marthe Chopin, quand tu arrivais à la télé, quand je te regardais, tu étais très impressionné. Ton gars qui était avec toi, il était tout maigre, gringalette. Ça se voyait qu'il était tellement malheureux. Ça se voyait qu'il ne mangeait pas. Ça se voyait qu'il était stressé. Regarde comment il est aujourd'hui. Regarde comment il est beau.
C'est toi qui tournais le sambou là pour qu'il se voit avec, on l'appelle que Njansan. Regarde comment son vrai teint est venu. Regarde comment l'enfant de Tui est propre. Regarde comment il est propre. Il est calme dans son mariage. Oh, tu pleures quoi? Hein? Mais attends, tu es sérieuse? Quand on a fini à la télé, je vous ai invité au Molatako à Deido. Le restaurant, le Molatako. Je vous ai amené là-bas. Je vous ai offert à manger et boire. À mes frères. On était nombreux. J'ai dit, je vous offre. Pas parce que tu es incapable de payer. Je sais, ce sont des choses. Tu es capable de payer. Mais par politesse, je vous ai offert à manger. Je vous ai offert à boire. On s'est séparés. Dans les très bonnes conditions. Marthe Chopard, je suis revenue au Cameroun pendant la CAN. Je t'ai eu au téléphone. Je t'ai dit parce que plusieurs fois je venais au Cameroun, tu m'appelais, je t'ai jamais passé chez toi. Alors, je t'ai dit, tu m'as dit qu'est-ce que j'ai envie de manger. Je t'ai dit, je vais manger le fosse. Je t'ai dit, je vais manger le fosse. Et je t'ai dit que j'étais aussi à Oja. Oui, je t'ai dit que je suis à Oja. Je t'ai dit où j'étais. Tu m'as donné ton quartier, où tu te trouves. Marthe Chopard, je suis arrivée chez toi la nuit. On a roulé comme si je partais en Bankomo. C'est-à-dire qu'on montait seulement les collines. Je disais que, mais attends, les terrains sont finis à Yaoundé. C'est vrai que la maison de quelqu'un n'est jamais loin. Mais elle habite que où? On a roulé, tchoukoulou, jusqu'à... J'ai vu une maison là-bas en haut. Écrit résidence Chopard. Marthe Chopard, quand on voit ta maison à la télé, on se dit que pour une femme qui a vécu en Suisse, qui a tant vendu l'oncou et fait le piment, ta maison pouvait être mieux que ça. Je vais parler maintenant de toi. J'apprécie le fait que tu as conçu une maison où tu vis au Cameroun, tu vis chez toi, c'est vrai. Tu l'as conçue en 10 ans. Ça veut dire que tu as pris le temps pour construire ta maison. Elle pouvait être mieux que ça. Elle pouvait être belle. Elle pouvait être jolie. Tu as fait de ton mieux, j'apprécie. Mais l'argent que tu montes, tu descends, tu paies les billets d'avion pour impressionner les hommes qui te draguent. Mais tu peux arranger ton intérieur. Que ça soit joli. Marthe Chopard, quand je suis entrée chez toi, tu nous as menés dans ton palais en haut. Tu nous as reçus à la terrasse, il faisait chaud. Tu nous as reçus à la terrasse. Tu m'as servi à manger sur la table basse dehors. Marthe Chopard, je suis arrivée chez toi avec une très bonne bouteille. Parce que j'ai les manières. Je suis une benguiste, je suis européenne. Moi, je ne vais pas chez les gens à main vide. C'est au Cameroun que vous partez chez les gens comme ça, quand on vous invite dîner. Moi, je suis entrée chez toi avec une bonne bouteille. Si tu n'as pas ouvert, j'aimerais que tu postes sur Facebook la bouteille que je t'ai offerte. Les gens verront la valeur de cette bouteille. Je t'ai offert une bouteille de vin. Je ne sais pas si tu connais le vin, le bon vin. Mais je t'ai offert une bouteille de valeur. Je suis arrivée chez toi. Je suis arrivée chez toi. Tu m'as servi dans le kumbu. Le kumbu, qui fait bangalan, bangalan. Tu as demandé qu'on chauffe le bâton de manioc. On a chauffé ça. On a posé dans un plat comme ça. Il y avait le kumbu à côté. Le kumbu bangalan, bangalan. Le kumbu bangalan qui fait gongolin, gongolin. Quand tu manges dedans, ça fait bangalan, bangalan. Qui connaît le kumbu? Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Le kumbu, c'est, ça fait le bangalan, bangalan. Gongolin, gongolin. Quand tu veux toucher avec la cuillère, ça fait bangalan, bangalan. Donc au village même, quand ça se pèse, on scotche ça avec le... On brûle la barbouche pour scotcher le derrière, pour que l'eau... C'est le bangalan, bangalan, le kumbu. Marthe Chopard, je ne suis pas venue seule, je suis venue accompagner. Tu m'as servi dans le bangalan, bangalan, le kumbu. Tu as posé le bâton manioc dans l'assiette, le plat qui était déjà détaché. Tu as jeté ça là. Quand tu me regardes, je suis fille, c'est-à-dire que tu n'as aucune manière d'une benguise. C'est-à-dire que je ne sais pas comment tu as vécu ensuite, tu ne recevais pas les gens. Mais la table basse dehors, c'est pour prendre l'apéritif.
C'est pour prendre l'apéro, on ne mange pas à la table basse. Et même, si on veut manger à la table basse, mais tu mets les 7 de table, tu arranges bien. J'ai mangé par politesse. Tu ne sais pas, tu n'as pas des manières d'une femme. Tu ne sais pas recevoir. Tu m'as servi dans le kumbu. Tu ne sais pas que on vend la porcelaine au Cameroun, les petits assiettes en porcelaine qui coûtent 2000 francs, qui coûtent 1500 en porcelaine. Tu n'as pas de style. Tu parles de quelle richesse? De quelle richesse est-ce que tu parles? Tu n'as pas de style. Tu n'as aucun style. Tu n'es qu'une villageoise. Mais attends, quand tu voyages dans le monde, comme tu montes, tu descends là. Mais Marthe, dis-moi un peu, quand tu arrives chez les gens, on te reçoit, tu ne vois pas, je ne sais pas, quand tu arrives chez les gens, on te reçoit comment? Dis-moi un peu. Hein? Quand tu arrives chez les gens, on te reçoit comment? Hein? Tu n'as pas honte? Et tu veux te comparer à moi? Tu veux m'insulter? Tu peux m'insulter? Tu me vaux en quoi? Mais attends, dis-moi un peu tes shows qui viennent chez toi là, tu les reçois comment? Tu fais comment? En fait, tu les fais une réception ou quoi? Parce que je te dis, tu n'as aucun style. Tu n'as pas de style. Regarde-moi une femme comme toi, tu te vantes, tu racontes des conneries, tu fais croire aux gens. Ce sont les gens de Facebook. Tu les fais croire comment tu es riche, tu as style, tu as ça, mais tu n'as aucun style. Déjà même, pour toi-même, regarde ma tenue, ce que je porte. Regarde comment je suis habillée, Matt. Regarde comment je suis habillée. J'avais acheté la bici à 40 euros. La ceinture là, c'est 20 euros. Mais je suis classe. Est-ce que c'est écrit le prix? Toi, tu pars en Chine et à Dubaï tout le temps. Mais fais-toi une garde-robe. Va dans un magasin, tu achètes ce qui te correspond. Qu'est-ce qu'il y a? Tu passes ton temps à mettre les collants. On voit quand tu mets un collant, tellement ça te sert qu'on voit le blanc qui sort. Tu ne peux pas t'habiller selon ta morphologie. Tu as quel âge? Hein? Tu as quel âge? Tu t'étouffes? Mais sois à l'aise, purée. Sois un peu à l'aise. Est-ce qu'on vous a dit que pour s'habiller, il faut forcément mettre beaucoup d'argent? Hein? Sois à l'aise, là, comment tu es? Et tu vas venir me parler. Écoute, Marthe, ce que je vais te dire, c'est que quand tu me dis que je voulais t'entraîner à être lesbienne, tout ça, moi, je vais te dire une vraie vérité. Dans la partouze, dans la touspa, même si toi et moi, on me prend avec toi chez un client, je ne peux pas te toucher les seins. Je dis que juste te toucher, je ne peux pas te toucher. Parce que tu ne me donnes pas envie. Tu es dégueulasse. Tu es très sale. Tu coules la sueur, même en plein hiver. Je vais te manquer le respect. Le grand frère du respect. Je vais te manquer le respect, Marthe, je sais pas. Tu vois, je dis que, hein, attends, on n'est pas encore arrivé. Donc, je disais que, chaque fois quand je te vois, on dirait que tu sors du hammam. Tellement tu coules la sueur. Une femme ne sue pas comme ça. Il y a des produits en pharmacie. Il y a les déos vendus en pharmacie pour la sueur. Tu mets dans les essais. Ça coûte 14 euros. Tu ne peux pas connaître parce que tu ramasses les déos de 50 centimes. Tu ne peux pas connaître. Tu coules tout la sueur. On dirait que tu as tellement fait le soin. Je te reviens au Campus France. Chaque fois quand je te vois, tu es très sympa avec moi. Je n'en dis qu'on vient pas. Quand je t'ai vu à l'Olympia, tu m'as offert à boire. Et d'ailleurs, même tu m'as même donné 50 euros que prends, c'est pour ton anniversaire. Ce sont les gestes louables. Vraiment, je te remercie. Mais ça ne te donne pas l'occasion de me salir. Marthe Chopa, tu n'es pas une femme que je peux toucher. Tu es très sale et tu coules la sueur. J'aime pas quand une femme coule la sueur. Une femme ne doit pas sentir. Une femme sent bon. Moi, je marche toujours avec le parfum dans mon sac. Quand je sens que je mets le parfum, parce que j'aime sentir bon. Quand on me dit bonjour, quand on me fait la bise, je sens toujours bon en fait. Peut-être de temps en temps, les cheveux comme ça, ça peut sentir, c'est normal. Mais il y a le parfum des cheveux aussi. Tu es très sale. Je t'ai vu à Campus France, c'était pendant la CAN. Tu arrivais là avec la sac, on dirait que c'est une maman qui vend le manioc et le kouemo au marché de Fundi. Mais attends, tu t'es vu? Tu t'es vu? Je comprends pourquoi tu jalouses les petites filles du Cameroun. Les Coco Emilia avec les NK mélangés avec les Karimo. Ce sont les petites filles. Moi, je suis leur grande sœur. Je comprends pourquoi tu te compares à eux.
Viens te comparer aux Benguis comme nous. Laisse, tu es une ancienne, tu as vécu ensuite, tu es rentré. Ne te compare plus. Viens, on se compare entre nous les Benguis. Moi, je te parle parce que tu as vécu en Europe. Donc, c'est pour ça que je te dis donc tes vérités. Je t'ai vu à Campus France pendant la CAN. Nous, on était là, tu es arrivé. Toujours comme d'habitude. C'est-à-dire que comme une femme qui sort, c'est-à-dire que vous voyez quand les mamans là vendent le kouemé, le manioc, quand une maman est là sortie là-bas de Ngoma Poubi avec son manioc, elle arrive à la gare routière que c'est fini. Tu la vois en train de marcher vite pour aller couper, c'est une bière. C'est comme ça que Marthe Chopa est tout le temps. Tu es pressé, tu pars où? Pourquoi tu coules la sueur? Et toujours avec son même t-shirt écrit Cameroun. Tu n'as pas d'autres habits. Mais tu es la Chine. Tu n'as pas d'habits. Tu ne peux pas bien t'habiller. Tu as une voiture, tu peux même mettre les habits. Les femmes qui ont les voitures, là, elles ont toujours les choses derrière les voitures. Hein. Elles ont toujours le sac, la chaussure, elles ont toujours les trucs que si ça fait seulement ham, elles se tournent, elles s'échangent et tout. Tu ne peux pas mettre les trucs derrière ta voiture. Et tu veux qu'on te respecte? Moi, je te dis donc tes vérités aujourd'hui. J'ai vu que tu as commencé à faire un peu le jansan avant que ça a raté. Tu sais, comme tu es une fille qui coule trop la sueur, dépose le jansan, arrête de mettre la crème. Parce que ça te fait les rougeurs ici. Ça te fait les rougeurs ici. J'ai mis ta plus belle photo filtrata. Tu as compris? J'ai mis. On t'a attrapé la dernière fois. Tu es tenté de faire le soin de visage. Tu ne connais pas les esthéticiens. Tu peux pas aller dans ce. Toi, tu fais, mais franchement, tu es tellement villageoise. Mais le jour que je vais rentrer, parce que moi, je rentre vivre au Cameroun. Le jour que je vais rentrer vivre au Cameroun, je vais tout vivre comme en Europe. Et rien ne va faire. Mais attends, regarde-moi une femme comme toi. C'est toi qui traînes chez les ministres, soi-disant. Mais pourquoi tu ne pars pas dans un truc esthétique à Bastos? Moi, j'arrive au Cameroun, je vais à... Ouais, où il y a Chopeyamo, non? Là-bas, où il y a Chopeyamo, là. Il y a une esthéticienne là-bas qui, vraiment, c'est chic, hein? Mais, attends, je ne sais pas, ça ne coûte que 20 000 francs CFA. Ça n'atteint même pas où c'est 15 000 ou c'est 10 000. Vous savez, quand je suis au Cameroun, je ne calcule pas trop francs CFA. Je paye seulement. Mais tu ne peux pas t'abonner dans un truc d'esthétique. Mais abonne-toi. Tu t'abonnes. Chaque deux semaines, tu vas te faire un soin. C'est comme ça qu'on appelle manger son argent. Toi, tu ne sais même pas utiliser ton argent. Tu parles, on te fait des maçons, on te gomme. Qu'est-ce qu'il y a? On te voit au quartier. On te voit au quartier en train d'appuyer les boutons. Mais va. Ici à Paris, ça coûte combien? 35 euros, 40 euros. Tu es au Cameroun que tu peux faire les soins même à 10 000. Hein? Tu es là. Tu es là, tu appuies les comédons comme ça là. Tu es en train d'appuyer les comédons quand tu dis qu'on est venu te faire le soin à domicile. Quel soin esthétique, quel bon soin on peut te faire à domicile? Quel soin? Déjà, la posture, tu ne peux même pas être à l'aise. Tu ne peux pas être à l'aise. Est-ce que quelqu'un, on peut dire qu'un maquilleur va maquiller à domicile, mais est-ce que une personne qui fait les soins peut se déplacer à la domicile? Parce que la personne n'aura jamais tous les produits et le confort pour aller, pour travailler. Tu es très sale. Je t'ai vu à Campus France. Le jour que je t'ai vu à Campus France, on était avec Tata Doudou. Tu es arrivé. Tu m'as offert un champagne. J'ai bu. C'était bien, merci. Je t'ai offert à manger. Parce que moi, je suis quelqu'un, vous savez. Je suis une personne qui... C'est-à-dire, si tu m'offres un truc, je vais toujours quand même... Je vais toujours t'offrir quelque chose. Ce qui est sûr, c'est ça. Marthe Chopa, tu m'as offert à manger. Tu m'as offert à boire à Campus France. J'étais aussi... J'ai payé à manger. J'étais avec les vraies filles de la Suisse. Quand elles t'ont regardé, elles ont dit que c'est elle, Marthe Chopa. Parce que, en fait, tu n'as aucune... C'est-à-dire que quand nous, on était petits, on voyait les papas Mbengis là, qu'ils ont fumé un manga jusqu'on les a rapatriés là. Ils ont toujours quelque chose de Mbeng. Vous savez, les anciens papas Mbengis qui sont venus en Mbengis, en Mbeng depuis 1900, ouais là. Après, quand ils rentrent, ils ont toujours le style de Mbeng qui reste. C'est-à-dire que ça ne part pas. Mais toi, tu n'as pas gardé les empreintes de Mbeng sur toi. Regarde nos papas là au quartier, que tu vois un papa comme un Sokoloko, quand on était là-bas en Dogbat. On avait un fou là. Il vivait en Suisse. Il est rentré fou au Cameroun. Sokoloko. Il avait tout. Quand il voulait watiser, qu'il te parle de l'Europe, il avait sa vieille guitare là. Il tournait tout là. Sokoloko. Il avait toujours le style de Mbeng.
Marthe Chopin, tu n'as rien gardé de l'Europe. Pourquoi tu n'as rien gardé de l'Europe? Parce que même en Europe, tu n'as jamais vécu vraiment l'Europe. Tu es une galérienne. Ça dit que dans ta tête, tu as toujours été la vendeuse de poissons au marché au Gabon. Tu as compris? Tu n'as jamais changé. Ça dit que dans ton cerveau, malgré que tu touches l'argent, ton esprit est toujours la vendeuse de poissons qui vend le poisson bar au marché. Puisque c'est avec ça que tu t'identifies, tu n'as jamais changé. Sois propre. Tu es très sale. On va parler un peu de ton, de chez toi. J'ai beaucoup à te dire, Mathieu Chopin. Tu m'as, ça fait près de 10 ans, tu m'insultes. Mais j'ai décidé de te répondre aujourd'hui. Et j'ai décidé que hein, toi et moi, ça sera les clashs. Ouah! Tu as compris? Tu vas, tes histoires que tu écris, tu vas venir parler, tu fais le direct. Tu vas avec ta voix de souris là, tu vas venir. Je suis dans mon palais. Il faut que tu sortes ton gousier. Il faut que tu sortes pour faire les clashs avec moi. Tu as compris? Les clashs qu'on écrit là, les gens n'aiment pas lire. Viens faire les vidéos. Tu vas aller. Tu vas te lever le matin. Tu vas faire le fil. Parlons de chez toi. Marthe Chopin, je suis entrée, comme je te dis, je suis entrée chez toi. Tu m'as fait manger à la terrasse. Moi, je prends l'apéritif en sur la table basse. Moi, je ne mange pas sur la table basse. Je mange sur une table. Mais j'ai accepté ce jour-là. J'ai accepté par politesse et parce qu'il y avait la fraîcheur. Voilà pourquoi je suis restée là au balcon. Parce que ça, ce n'est pas une terrasse, c'est le balcon. On appelle ça le balcon. Tu dis que tu as conçu au Cameroun, mais ta villa n'a pas de sens. Ma chérie, tu m'as fait visiter. Je suis entrée chez toi, à l'intérieur. Après, tu m'as fait visiter. Tu voulais me montrer que tu vis trop bien. J'ai vu le salon, ton séjour. C'est tellement petit. C'est comme ça. C'est tellement petit. J'ai regardé les chaises. C'est le tapou. Les chaises que tu t'assois dessus. Que tu t'assois comme ça, comme Bengis. Ce n'est pas le cuir, c'est le sky. C'est le sky. Tu es assise chez toi sur du sky. Ce n'est pas le cuir. J'ai vu. Tu m'as fait, tu voulais me faire visiter ta suite. On est entré dans ta chambre. Tu n'as pas une belle chambre. Ta chambre n'est pas du tout belle. Et puis tu m'as montré, tu m'as fait visiter en haut. J'ai regardé, j'ai dit c'est joli. Pas politesse, c'est joli. Mais tu peux faire mieux. Je peux, je suis prête à t'aider à décorer ton intérieur gratuitement. Ta maison. Marthe Chopin, qui t'a dit qu'on met la peinture jaune, le jaune, à l'intérieur d'une maison? C'est qui ton père qui t'a conseillé ça? Quand tu voyages partout dans le monde là, pendant les heures de vol, tu peux feuilleter les magazines pour regarder comment on fait une décoration d'un séjour, d'un balcon. Tu peux regarder, tu mets du jaune à l'intérieur. Ta maison est peinte en jaune dehors et dedans. C'est du jaune. Et c'est très moche. Je ne peux pas supporter une couleur comme ça. Sincèrement. Je vais péter les plombs, moi. Tu es assise sur la bâche. Tu dis que ce sont les chaises. Ce sont les chaises, ça m'a attaché pas. Où tu es assise là? Où tu t'assois en tant qu'une Bengis qui a vécu en Suisse? En Suisse où? Parce que vous savez que ceux qui sont en France sont les foirata. Quand quelqu'un te dit je vis en Suisse, c'est les millions, hein. Elle s'assoit, elle est assise sur la bâche. Tapoute. Oui. Elle est assise sur le tapoute. Il y a les décoratifs d'intérieur au Cameroun. Si tu es si riche et que tu essaies, fais ça pour toi. Pourquoi tu n'es pas à l'aise chez toi? Tu n'es pas à l'aise chez toi, putain, merde. Si je suis, mais attends. Marthe, je vais te lancer un défi. Je vais te construire une villa. Et je vais te filmer, te montrer que voici le chez moi. Tu as compris avec quoi? Tu m'as fait visiter. J'ai trouvé que tu avais mis la machine à laver dans la chambre, Adama. Depuis quand on met une machine à laver, tu n'as pas de buanderie? La machine à laver se trouvait dans la chambre. Tu caches quoi? Tu es chez toi, non? Pourquoi tu mets la machine à laver dans la chambre? Dis-moi, c'est pourquoi? C'est pour orner. Pourquoi tu mets une machine à laver dans la chambre? Tu n'as pas de buanderie. Tu construis une villa, tu n'as pas de buanderie chez toi? Là où on lave les habits, tu n'as pas de buanderie.
Hein? T'as vu jusqu'à. Tu as vu comment tu es villageoise? Et une femme comme toi, qu'est-ce que les gens vont t'écouter sur Facebook en fait? Qu'est-ce que les gens vont t'écouter? Tu donnes tes avis, tu m'insultes, tu me descends, tu es malade, ça ne va pas dans ta cervelle. Tu es qui? Hein? Oubawa? Non. Mais je veux savoir, elle est qui? Hein? Une femme qui ne sait pas dresser une table, maman. Quand elle reçoit souvent ces gens-là chez elle, quand elle reçoit ces gens, tu dresses les tables. Excuse-moi, c'est toi qui dis que tu traînes avec les ministres et les personnalités au Cameroun. Dis-moi, quand tu vas chez eux, moi je pense qu'en décoration, quand tu arrives chez quelqu'un, tu copies. Mathe Chopa, tu vis dans une villa. Quand on regarde le dos, et c'est comme au village où on sèche le pissage et le foufou. Tu n'as pas de. Tu n'as pas tu n'as pas de plantes. Tu n'as pas de plantes. Les plantes, ça fait du bien même à l'esprit. Tu n'as pas de plantes chez toi. C'est-à-dire que tu es dans une villa, on regarde, c'est sec comme si. Je sais, c'est sec, c'est quoi? Tu n'as pas de plantes. Tu ne sais pas qu'à Yaoundé, là-bas, pour aller m'abasser, il y a des gens qui vendent les fleurs et tout. Tu ne peux pas décorer, tu ne peux pas ranger pour que ça te fasse du bien. Hein? Tu as beaucoup de choses à faire dans ta vie. Arrête de t'occuper de moi. Si je suis lesbienne, je suis prostituée, je suis n'importe quoi, ça ne te regarde pas. Occupe-toi de ta vie. Tu as beaucoup de choses. Va t'asseoir chez toi. Tu arranges ta maison où tu vis pour être à l'aise. Tu as compris? Je suis entrée chez toi, comme je disais, ta chambre, elle est tellement... Je vais te montrer un peu ma chambre au Cameroun. Hein. Elle est petite, mais chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. Ma chambre est petite, mais chaque chose a sa place. Je voulais regarder un truc. Je voulais regarder quelque chose. Je vais regarder quelque chose. Mathe Chopa, tu dis que tu es riche, tu vis dans une maison, tu n'as même pas de caméra de surveillance. C'est-à-dire que je ne sais même pas, tu es tellement villageoise. C'est-à-dire que tu es tellement vilain, tu es trop villageoise. Et tu es une haineuse. Tu fais semblant, tu es haineuse et tu es jaloux, tu es aigri. Si tu es milliardaire, sont tes milliards. Tu as compris? Tu as compris ce que je te dis? Je suis en train de regarder quelque chose. Je regarde un truc d'abord. Attendez, je regarde quelque chose. Je vais tourner la caméra. Mais elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Tu te prends pour qui? Je vais te montrer. Comme c'est ce que vous voulez là. Je vais te montrer Mathe Chopa. Tu as compris? Je vais te montrer et tu vas voir. J'étais en train de regarder quelque chose. Une sale chose. Tu sais, tu m'as traité que oui, tu as dit que c'est lesbienne, a fait que c'est monté, c'est descendu, qu'on discute les hommes, qu'on va être lesbienne et on discute les hommes avec toi. Mathe Chopa, l'homme qui peut sortir avec moi ne peut pas sortir avec toi. Parce que l'homme pour qui tu meurs, là aux États-Unis, pendant la canne, on était ensemble, il a dormi chez moi. Tu as compris? J'étais vu brandir la photo de quelqu'un un jour. Comment j'ai su ça? On était avec Choukré. On était avec Choukré et l'autre fille. On est parti. On était parti boire et manger après le restaurant. Tu as payé ton billet d'avion pour aller le voir. Il t'a reçu, il t'a amené au restaurant. Tu n'es pas allé chez lui. Je vais donc te dire aujourd'hui, peut-être tu m'en veux, les gens ne savent pas. L'homme pour qui elle meurt, il veut m'épouser. C'est-à-dire que l'homme pour qui elle, c'est-à-dire que
Elle dit que son Insta, elle croit qu'on publie tout le monde sur Facebook. Elle a mis sa photo. Un jour, on était avec les choucrés. On était avec les choucrés. Maman, l'anga a commencé à se vanter comment son gars l'a envoyé l'argent hier. C'est quelqu'un qui est riche, il a les moyens, donc il peut te donner. Donc, elle se vantait comment son gars l'a envoyé. Elle m'a montré la photo. J'ai regardé, elle me dit que voici son gars. Elle dit que voici mon gars. Je regarde, elle dit que, hé, que. J'ai dit que, attends. J'ai regardé, elle m'a dit, ah, c'est vrai, il est mignon. En tout temps, elle connaît le gars, hein, mais j'ai fait comme si. Il faut demander à Doudou l'entièse. Le gars était avec nous. On était même au stade ensemble. Tu le connaissais où? Tu l'as connu sur Facebook après la CAN. Sinon, pendant la CAN, tu le connaissais où? C'est toi qui allais l'écrire. Jusqu'à tu commences, tu ne le connaissais même pas. Tu commences, ça fait déjà deux hommes. Ça fait deux. Tu me dis qui de l'élé, tu as donc vu. Hey, Matt. J'étais au stade avec lui, non? Avec Doudou. On était posté, il nous a retrouvés au Cameroun. Il est parti des États-Unis. Il nous a retrouvés au Cameroun, non? On était ensemble au stade. On était ma Douala ensemble. Je n'ai pas seulement voulu aller à l'ouest parce qu'il voulait aller à l'ouest sur la tombe de son père. Moi, j'ai dit non, je reste à Douala. Il ne t'a pas dit. Tu pleures quoi? Il a dormi chez moi. Je lui ai donné une chambre, il a dormi là-bas. Tu as compris? Tu ne savais pas, il ne t'a pas dit. Il t'a dit ou pas? Il ne t'a pas dit qu'il me connaît. Tu veux que je te montre? Attends. On va aller. Les gens, on va aller regarder. Je ne vais pas poster les photos de cette personne sur Facebook. C'est pas bien. Mais je vais seulement lui montrer quelque chose. Je ne pas regarder bien. Hein. Je vais te dire que la personne pour qui tu meurs là. La personne pour qui tu dailles. Que tu dailles sauf que. Oh, regarde-moi une sale chose. Tu parles de qui? Ça fait deux hommes. Il y a un gars qui t'avait dragué à Lille. Jusqu'à il te promettait le mariage. Un jour, tu m'expliques seulement. Le gars là m'avait déjà dragué, fatigué, pardon. On vous a dit que parce que je suis seule que je manque les dragues. Hein? Un, le gars là qui t'avait dragué, il était dans le nord. Ce qu'il a raconté, comment il a vécu avec Ali, Aline, ou c'est Annie Anzoué. Ici, il a vécu avec elle, nanani, nanana. Tu penses que moi, ça m'impressionne quand on dit que quelqu'un a vécu avec une star. Matt, le gars là, il était, sa fiancée était Betty. Et sa fiancée était Daï, il a construit une villa là-bas. Il t'a envoyé les photos de la villa parce que c'est ce qu'il raconte quand il drague une femme. Quand il drague une femme, il envoie d'abord la photo de la villa, soi-disant, il a construit une femme, s'est monté, s'est descendu, il te raconte toute sa vie. Le gars là, il t'a dragué aussi, il te racontait toujours la même chose. Il est où? Hein? J'étais prévenu. Il est où? Celui pour qui tu es parti aux États-Unis jusqu'à tu l'as même vu là. Tu n'es pas allé chez lui. Est-ce qu'il peut te recevoir chez lui? Tu es qui? Il t'a reçu à un fast-food là, au McDo. Il t'a reçu au McDo tellement tu as supplié. Tellement tu as supplié pour le voir. Tu as pleuré jusqu'à pour le voir. Avec tous les milliards que tu as, tu ne trouves pas un homme au Cameroun. Tu peux vivre avec quelqu'un qui est aux États-Unis. Tu vas le voir comment? Mais trouve-toi un blédard comme toi, wesh. Trouve-toi quelqu'un qui a... Okay, trouve-toi un blédard, tu vis avec. Hein? Trouve-toi un blédard. Tu vas gnasser par téléphone, tu vas gnasser sur WhatsApp. Hein? Qu'est-ce que tu me veux? Toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Arrange d'abord le chez-toi. Tu arranges bien ton intérieur. Avant de venir commencer à vouloir que tu veux me dénigrer. Tu n'es pas le genre de femme qui peut m'exciter. Et t'es dit que même dans la partouze, dans la touspa, si on dit que toucher, je ne peux pas te toucher. J'ai dit que c'est seulement que toucher. Je ne peux pas te toucher, tu ne m'excites pas. Arrange-toi. Essaie de mettre ton argent en valeur. Essaie d'être bien. Tu peux monter un vrai sac à main avec facture. Parce que nous tous, on mélange le faux, la contrefaçon. Mais on mélange nous tous. Mais montre-moi les vrais sacs avec facture que comme tu étais marié à Chopard, il achetait pour toi. Montre-moi les sacs avec facture.
les sacs d'avant avec facture. Tu n'as pas. Tu n'es que... Ça veut dire que tu es chinoiserie jusqu'à la dame. Tu es chinoiserie, tu es shintong jusqu'à... Et tu n'as pas de shintong même. Ça veut dire que c'est le dernier choix de shintong. Habille-toi. Mon problème, c'est que tu ne t'habilles pas. Mon problème, c'est que tu t'habilles très mal. Tu ne t'habilles pas par rapport à ta morphologie. Dis-moi un peu, match ou pas? Dis-moi, au Cameroun, là-bas, il y a des réceptions au Hilton. Il y a des réceptions partout. Poste-nous des photos où tu es en tenue de gala. En train d'aller dîner au Hilton. Moi, j'ai envie de voir tes photos avec ton conjoint, même quand tu étais avec Paakila, le gars Paalambert. Tu n'es jamais sorti avec Paalambert dans un mariage. Et tu es habillé comment? Dans un gala? Hein? Je t'ai jamais vu bien habillé, sincèrement. Mais je ne sais pas. Comment tu fais quand tu rencontres les ministres là? Quand tu vas dans leur bureau, tu vas en collant? Puisque tu filmes tout. Tu t'habilles en cycliste pour aller là-bas? Je ne sais pas. Tu fais comment? Tu peux être un peu élégante, s'il te plaît, pour sauver l'honneur des femmes qui sont en Suisse. Sois un peu élégante, s'il te plaît. Même pour ton honneur. Tu sais, tu peux avoir les moyens, on ne te respecte pas. Tu n'as pas d'argent que tu as, je ne respecte pas. Tu vis de l'argent des tontines parce que tu fais les réunions avec les filles, tu tournes ça. C'est de ça que tu mets partout là. Certaines filles en Europe là te confient leur dos et tout, tu fais les trucs, tu mets ton nom devant. Hein? Pourquoi tu es mauvaise comme ça? Qu'est-ce que tu me veux? Tu m'en veux pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu montes, tu descends dans les bureaux avec le t-shirt. T'as vu comment tu es sale? Hein? Arrange-le chez toi. Arrange-le chez toi. Où tu vis. Avant de venir parler aux gens. N'importe quoi. Une femme qui vit en Europe. Mais franchement, quand je suis arrivée chez toi, mais attends. Je voulais te montrer un peu une photo où je fais une réception là. Une photo de réception. Attends, je vais aller chez mon autour de mon grand frère. Je veux voir. Je vais voir un truc. Mate Chopin, je vais te montrer quelque chose. Tu vas voir. Je vais montrer. Est-ce que vous êtes pressé? Je m'en fiche. Je montre sauf que... Oh, même si vous avez déjà vu, je remonte encore. Porte quoi? Regarde-moi quelqu'un. Elle voyage tous les jours. Comme on dit qu'elle voyage partout dans le monde là. Elle ne peut pas... Ça dit que comme elle voyage dans le monde là, elle ne peut pas faire mieux. Hein? Tu es très sale. Ish. Tu n'as aucun, tu n'as pas de style. Tu m'as fait manger dehors. Je vais te montrer que dehors, on ne mange pas dehors. On prend le café dehors. On prend le truc dehors. Je tourne la caméra. Les gens qui sont fatigués, allez dormir. Les filles là, mes jalouses, ils s'embêtent pour rien. Regarde un peu, Marthe Chopin. Regarde l'extérieur. Regarde la maison d'une bengisse au Cameroun. C'est même pas le chez moi, mais tu verras le chez moi. Tu peux tricher un peu quand je fais. Hein? Tu peux tricher un peu, regarde. Tu n'as pas de plante, tu n'as rien. Tu as vu ça, regarde. Attends, je vais mettre un truc. Regarde un peu. Attends. Regarde un peu l'intérieur d'une maison, d'une bengisse, regarde. Regarde un peu. Regarde. Regarde bien. Je finis de mettre aussi, j'entre maintenant chez toi. Je passe sur ton mur. Trouve-toi un coach sportif qui va bien arranger ton intérieur. Tu as vu? C'est ça qu'on appelle chez une bengis. Regarde bien. C'est en Afrique. Mais est-ce que tu peux savoir que c'est en Afrique? Tu me veux quoi? Viens, je te montre. Je vais t'aider. T'as vu? Tu m'as reçu dehors à l'extérieur.
Tu m'as reçu à l'extérieur sur une table basse. Attends. Je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est le soir. Regarde le soir comment ça brille. Tu as vu? Tu as vu? Ça, c'est parce que je préparais Noël. C'est toujours là. Donc, arrange ton intérieur. Si tu veux jouer à la mbengis, sois vraiment mbengis. Tu m'as reçu sur une table comme ça. Ça, c'est où je prends La l'apéritif. personne est là. Non, pardon, la Je vais personne, prendre si le je ne veux pas chocolat. montrer, pardon. C'est où c'est l'apéritif, le digestif, on est en train de boire. Non, le pays, il n'y a pas d'œuf. Regarde bien. Ça, c'est C'est où dehors. c'est l'apéritif, le digestif, C'est on est en train Shiva. de Ça, boire. tu m'as reçu, tu n'as même pas mis Non, les le sets de pays, il n'y a table. pas Tu ne d'œuf. sais pas recevoir. Tout un coach sportif avant de venir parler. Il n'est pas fini. Je vais sauf te montrer. Oh, ah. Est-ce qu'elle voulait même lui mettre encore là? Je vais te montrer chez moi dans mon village. Voici mon intérêt au village. Voilà, on a Dans fini. mon village. Jusqu'à arranger comme Regardez ici. bien. Voilà les chaises que j'ai achetées, ton frère m'a envoyées. Ça, c'est au village. Enlève tes lunettes, imaginez là. Tu as vu? Tu peux faire la maison, tu mets un peu de jaune. J'ai changé la peinture. Regarde, tu as vu? Tu es là, regarde ton intérieur. Soi-disant, tu as une belle villa. Attends, je vais aller sur Facebook. Je vais monter ton intérieur. La réception, même, tu ne sais pas recevoir. Je cherche un truc où tu ne sais pas recevoir, Marthe. Attends, je vais aller sur ton mur. Je vais aller sur ton mur. Je vais aller sur ton mur. Désolée, attendez, hein, ne quittez pas. Je vais aller sur son mur Facebook. Comme ça, on va voir un peu son intérieur. Une villageoise jusqu'à. Tu me parles, tu m'insultes tous les jours. Pourquoi? Une mamie Congo, ça, je vais y revenir. C'est comme ça que vous êtes. Vous cherchez les problèmes aux gens. Pour rien. Vous cherchez les problèmes aux gens pour rien. Tu sais, si j'avais su, Marthe Chopard, si j'avais su un seul instant que le gars-là qui chante que Nyungu Nyungu Nyungu, que c'était ton artiste, n'allait jamais dans. Parce que tu es tellement méchant. Tu es tellement mauvaise. Je ne sais pas ce que tu m'en veux. Avec tout ce qu'elle fait pour l'artiste sans le connaître. Hein? Je cherche même son mur, tu vas le voir. Tu passes ton temps à m'insulter, à parler mal de moi et tout. Mes chers frères et sœurs, elle passe son temps à m'insulter, à parler mal de moi. Je voulais montrer un truc aux Camerounais. Si j'avais su, Marthe Chopard, tu es tellement mauvaise, tu es tellement méchante. J'étais vue avec l'artiste Blacky Star là. Si j'avais su un seul instant que c'était ton artiste, j'allais jamais faire. Je n'allais jamais prendre le temps de faire sa promo gratuitement. Tu m'as dégoûté. Tu as fait ton truc ici, là, de. Quand tu as ouvert ton truc, tu m'as dit, partage. J'ai partagé. Tu as un cœur. Tu ne sentais pas. Ça veut dire que tu as quand même pris le temps de me lyncher. De m'insulter. Tu as une conscience. Je vais un peu sur nos échanges. Je ne sais pas sur WhatsApp. Tu es très Congo, ça même. Tu penses que tu peux chercher à me détruire? Tu es malade, toi? Une imbécile comme ça. À la veille de l'Olympia. C'est comme ça que vous êtes mauvais. C'est comme ça que vous parlez des gens. À la veille de l'Olympia, elle arrive, Marthe Chopard arrive en France. Quelques jours avant l'Olympia. Elle arrive. Quelques jours avant l'Olympia, Marthe Chopard arrive en France. Elle m'appelle. Hein? Comment tu vas? Je vais bien. Elle m'appelle. Comment je vais? Je vais bien. Ouais. Je dis que je vais bien. Elle me fait savoir que
Quand elle part à l'aéroport, bon voyage, tout ce qui va avec. C'est le Congo, ça, attendez. Martha, je ne sais pas, tu es très méchante. C'est-à-dire que je, quand je reste comme ça, je me demande qu'est-ce que je t'ai fait. Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Voilà. Martha Chopin, à la veille d'Olympia, quand tu es arrivée à l'Olympia, tu m'as appelé. Ah, tu as bien voyagé. Oui, tu as bien voyagé. Tu m'as dit que mon expert... Je t'ai dit, maman, tu m'as gardé quoi? Tu m'as dit que non, mon expert a pris tous tes kilos. Parce que vous êtes que quand vous rendez service aux gens, vous faites souvent, peut-être t'as même payé pour que tu portes ces valises. Tu as dit que comme tu voyages en première classe, tu as beaucoup de kilos. Tu as dit qu'il a pris tous tes kilos. On lui a fait beaucoup de bagages au Cameroun, tu as pris. J'ai dit que ok, c'est bien alors, donc tu m'as rien gardé. Par politesse que je te demande si tu m'as gardé quoi. Parce qu'à Paris, là, il y a tout. Je ne vois pas ce que peut vraiment demander. Si elle demande que je demande à Choukré. Je vais demander à Choukré que Choukré, s'il te plaît, envoie-moi telle chose. À la veille de l'Olympia, quand tu arrives à Paris, pour montrer que tu es congolais, tu es mesquine. Tu me dis que mon expert a pris tous tes kilos. Bon, c'était pas méchant. Mais ce que j'ai trouvé de très très méchant de ta part, c'est que tu me dises au Congo ça que vous avez fait à deux sur moi. Tu m'as dit le Congo ça que mon expert a fait sur moi, à toi. Oui. C'est comme ça que vous êtes, ça dit que l'effet de voir que je ne parle pas avec lui, avec eux, ça vous arrange parce que, hein, en fait, ça a toujours été votre souhait. Je commence à comprendre que vous étiez très jalouse et jaloux quand vous me voyez avec lui. Parce que dans votre cœur, votre esprit de tribaliste, vous dites toujours, certains tribalistes comme toi, oui, disent toujours que elle fait quoi avec Bamileke. Mais tu oublies que ce sont les hommes Bamileke qui te couillent bien. Parce que ton seul frère, Betty, qui a voulu sortir avec toi, il t'a laissé au carrefour. On t'a vu porter le ndop ici. Une fille qui voyage en Bengue, elle met le ndop sur la tête pour voyager. T'es le terriblement, terriblement belle sœur. Parce qu'elle voulait prouver qu'elle est terriblement bamileke plus que les bamileke. Qui t'a autorisé? On l'a vu, elle était à Bafoussam partout, partout là. Une bordelle que, hein? Tu es une bordelle. Tu es une vendeuse de piment que même au pays, tu vends le piment. Sinon, tu ne peux pas partir de Bamileke en Bamileke, de Bamileke en Bamileke. Ce sont des hommes Bamileke qui te couillent, qui te gnassent propre. Pas l'embête à jeter au carrefour. Tu as failli, tu l'aimes toujours. L'enfant de Truy, est-ce que tu préparais pour qu'il mange? Tu m'as fait le Congo ça sur mon expert. Tu m'as dit que quand il est venu chercher les valises, tes colis, il est venu chercher à manger. Puisque tu m'as dit qu'il est venu chercher la nourriture à ton hôtel. Il a fait le Congo ça sur moi. Tu m'as dit, qui t'a dit, qu'il va faire un an sans parler avec moi. Je t'ai répondu que même 100 ans. Je t'ai dit qu'il me sert à quoi? Oui. Est-ce que c'est bien? Même si t'as dit qu'il va faire un an sans parler, je suis son an. Je ne sais même pas, je suis un membre de sa famille. Hein? Tu m'as dit qu'il t'a dit qu'il va faire un an. Qu'il va d'abord me laisser. Ou c'est au Pontchac. Non, il va me laisser d'abord de côté pendant. Il va me faire les ennemis. Tu m'as dit que mon expert t'a dit qu'il va faire les ennemis avec moi pendant un an. Je t'ai dit que même si c'est 100 ans, ça fait quoi? Et je t'ai dit à toi que, va lui dire que j'ai réclamé mes dos. Oui. Que si ça sera à refaire, vas-tu venir réclamer mon argent? Regarde ce que tu peux venir me dire. Tu attendais qu'il dise quoi? Il est venu te voir, il a pris ses valises, il a parlé avec toi. Mais est-ce que tu es obligé de répéter?
Hein? Pourquoi vous êtes cogneuse de tête comme ça? Tu me disais pourquoi il fasse quoi? Tu me disais pourquoi il fasse quoi? Quand tu me dis que il a dit qu'il va faire un an sans parler avec moi. Quand il parle avec moi, ça me donne quoi? Je ne comprends pas. Quand tu viens me dire ça, c'est pourquoi? Ça, c'est le Congo. Ça, c'est pour cogner les têtes. Je t'ai envoyé balader. Voilà quand tu m'as demandé de clasher Marlène Mvoutou. Tu m'as demandé de clasher Marlène Mvoutou ici. Voilà ton challenge. Ça dit que tu es quelqu'un. Regarde bien. Je vais montrer. Je tourne ses mains pour que les gens voient. Excusez-moi. Je vais montrer un peu un truc. Parce que... Je vais montrer un truc. Mate Chopin, c'est nos échanges ici. Voilà, je montre un peu nos échanges. Hein. On ne se parle pas beaucoup. On ne se parle pas beaucoup. Regarde bien. Je montre un peu nos échanges. On ne se parle pas beaucoup. Ça, c'est quand j'avais demandé. Regarde bien. Ça, tu étais où? Je ne sais pas. Je t'ai envoyé ça pour que tu viennes au restaurant nous retrouver. Ton beau vient de m'appeler. Quand tu parles de ton beau comme ça, tu parles de quoi? Bref, de l'homme que je connais qui veut sortir avec moi. Tu m'as envoyé le challenge, ma amie. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu te changes. Ça, c'est un truc que tu m'envoies. Quelqu'un qui a enregistré, une voisine de Marlène Mvoutou. Docteur, ça c'est quand tu fais le Congo, ça c'est docteur. Je vais revenir là-dessus, on va écouter ce que tu as dit. Quand tu voulais que je clash docteur. Docteur Marlène, je t'ai dit que, hein, ok, il n'y a pas de problème pour te faire plaisir, mais c'est depuis que je n'ai pu gérer. Tu n'es qu'une vieille chouette. Attends. Ok. Voilà. Je reviens ici. Les voix ici que tu m'as envoyées, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais écouté. Les voix ici que tu m'as envoyées, je ne connais pas. Hein. Pour être honnête, je n'ai jamais écouté ces voix. Je ne sais pas si on écoute même maintenant. Je ne sais pas. Tu m'avais dit, c'est dérégré. Voilà. Ah non, ça ce sont les voix quand la vieille blanche qui voulait épouser la vieille blanche là. Elle a essayé ton petit frère. Ça c'est la mère de Filou. On vient ici, toi tu m'as envoyé ceci. Tu m'as envoyé ça sur Marlène Mvoutou. Les photos, tu m'as dit qu'on l'a filmé. Qu'elle sort du tribunal, elle est tellement pauvre. Voilà ça. Là voilà les photos que tu m'as envoyées sur Marlène Mvoutou. Voici ça. Tu m'as envoyé comme ça pour que non, elle est passée au tribunal, qu'elle souffre. Là, voici que tu m'as envoyé. Que oui, c'est une vendeuse de rêves. C'est comme ça que vous attisez toujours la haine derrière. Hein? C'est comme ça que vous attisez toujours la haine. Ça, c'est Marlène Mvoutou que tu m'as envoyé, non? Tu dis que non. Il faut la clasher parce que vous êtes en train de chercher les problèmes. Voilà ça. Voilà ça. Docteur, tu dis qu'elle prend le taxi. Elle prend le taxi, Mbrakata. Je joue les voices. Je ne connais pas les voices qu'elle a envoyées. Ok, je joue, je joue. On va jouer. Vous êtes sûr, vous avez le temps. Donc, ça, c'est ce que les voix que maman. On va jouer les voix, je sais pas. Bon, on joue les voix. On va aller ici. Attends, on va aller ici, là. Dans vieille chouette. C'est comme ça, moi, j'ai écrit sur mon téléphone. Vieille chouette. Vieille chouette Chopin. Donc, j'écoute alors l'enregistrement que tu as enregistré. Une personne qui te donne les infos sur Marlène Mvoutou. Pourquoi on doit la clasher? Mais moi, je n'ai pas géré. Donc... On met, ou bien on attend. Non, ma faux. N'entre pas dans ce jeu. Pourquoi? Porte quoi? Elle m'insulte depuis. Faut pas t'amuser avec moi. Hein. Ça fait 10 ans qu'elle parle de moi. Importe quoi. Écoutons. Non, c'est là qu'elle habite. Et elle n'est pas chez
Écoute. Et quand je... Là, tu as enregistré une personne parce que je ne sais pas. Tu sais, Marthe, pourquoi aujourd'hui je fais une sortie pour, sur toi? Tu es une personne que je respectais énormément. Voilà pourquoi je ne t'ai jamais répondu. Pas parce que j'ai peur de toi, mais parce que j'ai du respect pour toi. Respecter quelqu'un et avoir peur, c'est deux choses différentes. Mais tu es allé très loin. Tu t'attaques à moi tout le temps. Je voulais te dire aujourd'hui que je n'ai pas peur de toi, que tu n'es rien. Tu n'es qu'une sale chose. Écoutons. Ça, c'est une vidéo. Elle a seulement enregistré quelqu'un. Tu vas entrer dans les clashs. Écoutons. Je suis au Cameroun. Quand je sors, je la croise presque tous les jours. Soit en taxi, soit à pied. Ah, voilà. Soit à pied, soit en taxi. Ça, c'est quand elle enregistre la voisine de Marlène Mvoutou, qui croise souvent Marlène en train de descendre ou c'est dans la boue, qu'elle manquait les riches. Comme ce sont les gens qui sont toujours à piller la vie des gens. Et elle me disait que non, voilà la vérité. Il faut vraiment qu'on montre au monde, aux yeux du monde entier qu'elle n'a rien. Parce que quand ils ont leurs problèmes avec les gens, ils veulent que les gens se mêlent. Mais moi, je n'achète plus les problèmes des gens. C'est ça le problème. C'est que moi, Marlène, ce n'est pas quelqu'un que Marlène Mvoutou, ce docteur-là. C'est même une personne que je déteste. Non, moi, je m'en fiche. Hein? Non, je mets. Je ne mets pas pourquoi. Est-ce que quand elle va répliquer, je vais l'essayer. Je vous ai dit que le clash avec elle sera beaucoup. Parce que beaucoup de gens ont vu que c'est elle qui m'a provoqué. Donc, on écoute alors ce qu'elle a enregistré une personne. Quand Marlène, où elle est au Cameroun, où elle est où? Elle dit qu'elle va te porter plainte, qu'elle aille se faire enculer. Allez lui dire qu'elle aille se faire enculer. Voilà, attendez, écoutez un peu. C'est là qu'elle habite. Et elle n'est pas chez elle. Ah, ça? Et quand je suis au Cameroun, quand je sors, comme c'est devenu leur mode là, elle a apporté plein à Guinée, soit en taxi, soit à pied. Jusqu'à ça, elle est une sale chose. Soit à pied, soit en taxi. Elle est avec sa petite. Dites-lui que comme c'est leur mode au Cameroun, qu'un petit te veut porter, dites-lui qu'elle n'a pas peur de la plainte, qu'elle se fait enculer. Je mets. Qu'elle prononce. Dites à cette femme que je l'ai laissée 10 ans, je l'ai connue en 2012. Nous sommes en 2022. Que j'ai décidé de lui répondre et ça va être les clashs. On écoute. Si. Mon nom, mon amiga, Iris, elle est une petite très gentille. Moi, c'est Nazar. C'est là qu'elle habite et elle n'est pas chez elle. Ah, ça? Et quand je suis au Cameroun, quand je sors, je la croise presque tous les jours. Soit en taxi, soit à pied. Ah, voilà. Soit à pied, soit en taxi. Elle est avec sa petite fille. Mon nom, mon amiga, Iris, elle est une petite très gentille. Si Nazana, mon nom, il y a un peu de temps. C'est comme ça que j'ai su qu'elle habitait là. Et c'est la femme qui est du bar qui a un mon voisin, oui, mais nous avons un voisin. Il y a un peu de mal à l'envoûte. Maintenant, elle est ma voisine comment? Parce qu'il y a un monsieur en face de moi, il était directeur à Eneo. Monsieur Fala Fala. Maintenant, il est à Fala Fala. Il est à Tekai. Moi, c'est le cas que je me suis dit. Un des gens qui ont été loués depuis longtemps, il est à Tavokome, il est à louer. Maintenant, il est à Tweté. Il est à Monomongo. Maintenant, il est à Fobangi, il est à Monomongo, il est à Tengi, maintenant, voilà donc sa fille. Voilà. C'est là qu'elle habite. Et j'ai fait mon enquête. Effectivement, elle est là. Et aussitôt que j'ai su, je faisais attention et je la croisais régulièrement. Mmh. Elle n'a même pas de voiture. Oui, on va les taxis à Telensan. À Yangagna, où elle est en train de décharger les courses, le taxi. Ou taxi à Yangagna. C'est en discutant même avec les gens qui m'ont dit maintenant. Même les chauffeurs de taxi, elles ne payent même pas. Ça dit qu'à Pâques, les jeunes chauffeurs de taxi comme ça, de prime abord, canard, oh, je prends un dépôt, amène-moi à tel où je te prends pour la journée. Et puis là, un billet de 10 000 au gars pour mériter la confiance. Oui, c'est comme ça que les escrocs. Elle met le gars en confiance. Elle paye les premiers temps. Et après, elle dit, bon, ce qu'on va faire maintenant, tu tournes même, moi, je vais te payer à la fin du mois ou au bout de deux mois, comme ça, après, peut-être quand tu voudras. Oh, comme bon, économie, mais il faut voir, mais il n'y a pas de truc. Elle raconte beaucoup de choses à son ami. Elle traite avec qui, machin. Elle met les gars en confiance et elle ne paye pas. J'ai su après que même ces nounous n'étaient pas payés parce que... On laisse d'abord comme ça. On laisse d'abord. Au fait, Marthe Chopard.
Marthe Chopa, tu sais, tu es une personne que j'ai donné vraiment la place et qui m'a vraiment déçue. Franchement, tu m'as beaucoup déçue parce que j'étais laissée pendant longtemps, mais tu as cru peut-être que j'avais peur de toi ou bien que je ne sais quoi. Mais j'aimerais te dire que ce que tu as fait, tu es sans cœur. Tu es une personne qui n'a pas de cœur. Parce que si tu étais quelqu'un qui avait le cœur, tu n'allais jamais t'attaquer à moi tout le temps. Tu peux entendre quelque chose à mon sujet, sachant qu'on a l'habitude de manger ensemble, de prendre un verre. Tu passes dessus. Pourquoi tu t'attaques à moi? Pour quelles raisons? Tout le monde t'a insulté sur Facebook, sauf moi. Toutes tes soeurs-là t'ont lavé, rincé ici, t'ont chiffonné. Tu as fait quoi? J'étais toujours soutenue. J'étais toujours respectée. Mais j'aimerais te dire que le respect est mutuel. Comme je te respecte, c'est comme ça que tu dois me respecter. Tu me manques le respect tout le temps. Pourquoi? Est-ce que je t'ai appelé un jour que fais-moi un prêt? Est-ce que toi et moi, on s'est déjà fait des confidences? Non. Mais tu m'en veux pourquoi? L'homme que tu pourchasses aux États-Unis, là, veut m'épouser. Il n'a pas niaise avec toi. Il m'a dit. Il a mangé avec toi. Mais il n'a pas combo avec toi. Parce que tu n'es pas son genre. Il m'a dit tu n'es pas son genre de femme. Et que tu es trop sur Facebook, tu bavardes trop. Tu parles trop de ta vie privée. Que tu ne l'intéresses en rien. Même ton amitié n'a pas besoin. Si je dis le contraire, viens prouver. Tu as compris? Va chercher quelqu'un d'autre. Que tu vas pâter. Que tu vas chercher à tirer. Depuis que tu tournes, depuis des années là. Avec ta maison, ton milliard, tout ce que tu as. Tu n'as pas trouvé un homme. Parce que tu as besoin d'aller te laver. Te laver et te parfumer. C'est très important. Tu es une sale fille. Tu es une sale femme. J'ai comme impression que les faits que tu vendais le poisson au marché, au Gabon, tu pues toujours l'odeur de ce poisson-là. C'est resté en toi le poisson, l'odeur du poisson. Va te laver et arrête de parler de moi. Tu as compris? Va te laver. Si tu n'arrives pas, tu prends aussi. J'ai appris que les gens se lavent avec les bicarbonates. Tu prends le bicarbonate et le citron, tu te laves avec. Achète-toi les vrais parfums. Fais-toi plaisir. Tu ne fais pas pour quelqu'un, tu fais pour toi. Regarde-moi quelqu'un. Elle s'assoit, elle fait le tour de manège. J'ai même dit qu'elle devait vous montrer la maison. Attendez, je voulais vous montrer le chez elle, l'intérieur. Je cherche comme ça. Hein. Je voulais vous montrer un peu. Je n'ai pas filmé chez elle parce que ça ne m'intéresse pas. Marthe Chopin t'a amené chez ma copine. Je t'ai montré son mobilier que j'ai choisi ici en Europe. On a envoyé un conteneur au Cameroun pour meubler sa maison. Oui. Elle a acheté son canapé en cuir à 12 000 euros. Rien que le canapé. Sur commande, 12 000. Le séjour, ça la manger. Tu es entré à la maison, tu as même filmé, tu as mis chez toi. C'est moi qui ai choisi tout. Voilà qu'on dit qu'une personne, une benguisse. Voilà qu'on dit qu'une benguisse. C'est comme ça que c'est. Vis comme une benguisse. Tu vis trop dans la souffrance. Tu es l'esclave de tes miettes. Quand tu voyages, j'ai l'impression que tes voyages que tu fais. Quand tu voyages là, c'est pourquoi? C'est pour impressionner les gens. Tu attends pour prendre les billets promotionnels. Un an avant pour aller faire le tour. Toi, tu veux nous montrer que tu voyages trop. Tes voyages, quand tu voyages là, tu rentres avec quoi en souvenir? Hein? Tu rentres avec quoi? Je sais pas. Quand tu es quelqu'un qui voyage beaucoup, tu arrives dans chaque pays, tu copies un truc, tu regardes ça. J'ai vu même les rideaux qui étaient chez toi, franchement. Ouais, mais ça m'a dégoûté, hein? J'ai même vu les rideaux, les couleurs. Moi, je comprends pas.
Pourquoi au Cameroun, vous ne pouvez pas? Je ne sais pas à quoi. C'est tellement moche. C'est trop moche. Hein? Et c'est toi qui veux trop parler. Attendez un peu. Je suis en train de chercher. Si j'avais su que l'artiste-ci était ton artiste, hein? Mate, je sais pas, tu m'as fait trop regretter d'avoir suivi Blackie Star là. Sincèrement, tu m'as énormément. Ça dit que quand j'étais regardé comment tu fais des posts sur moi, tu m'as fait regretter énormément. Et quand j'ai vu après que c'était ton artiste, quand tu as fait ton acribi là, c'est moi qui ai partagé l'ouverture pour demander aux gens d'aller te soutenir. Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu es aussi aigri? Pourquoi tu es aussi méchante? Change ton cœur. Tu as peut-être les miettes, mais tu es malheureuse. Parce que je ne vois pas le bonheur en toi. Pourquoi tu es aussi méchante, Matt? Qu'est-ce que je t'ai fait? Le fait que je t'ai ouvert, j'étais la première personne à acheter tes trucs de chinois là. J'étais lancée, j'étais la première à t'encourager en 2012. Je t'ai jamais fait un crédit. J'ai toujours payé. Aujourd'hui, c'est toi qui me dénigres partout. C'est toi qui, moi, je ne comprends pas. Tu veux prouver qu'aux gens, que toi aussi tu peux t'attaquer à Fleur de Lille, que toi aussi tu peux parler de moi. Pourquoi? Si les gens te demandent que, mais qu'est-ce que Fleur là t'a fait? Toi, tu vas répondre quoi, Matt? Parce que, hein, il y a toujours quelque chose qui déclenche. Tu vendais les sacs ici, ma copine aussi est venue vendre les sacs, mon ex-copine Marie la Rose là. Tu t'es fâché, tu as fait les directs. Oh, elle vend cher, c'est monté, c'est descendu, tu as parlé beaucoup de choses. Parce que tu as vendu les sacs aussi, elle a vendu. Hein? Essaye d'avoir un peu un style. Essaie un peu d'avoir le style. J'étais en train de regarder pour voir. Parce qu'il faut que les gens comprennent que... Les gens doivent comprendre qu'il y a des personnes comme toi qui s'attaquent aux gens pour rien. Et tu es cette personne-là. Au nom de Boss Lady, voilà ton truc. Voilà ton truc où c'est Boss Lady que tu fais. Quand tu publies, c'est pour qu'on voit. Voici ton intérieur. Ça, c'est ton intérieur. C'est sur Facebook, hein. C'est une vidéo qu'elle m'a postée, hein. C'est sur Facebook. Regardez, c'est du jaune. Regarde l'intérieur. Espèce de villageoise. Quand on donne l'argent à quelqu'un, depuis quand on donne l'argent aux gens sur Facebook? Depuis quand? Regarde l'intérieur. Regarde la peinture jaune. Regarde ton intérieur. Tu sais ce qu'on appelle les lustres? Tu ne peux pas faire un peu même les lustres. Depuis quand on bouffe l'argent sur Internet? Mais moi, je comprends pas. Comment les gens peuvent bouffer la tontine? Ils acceptent qu'on les filme pour mettre sur Facebook. Je ne comprends pas. Avec tes vieux canapés en cuir que tu avais ramassés quand tu quittais Milouze là. Quand tu quittais Anmas. Regarde l'intérieur d'une maison du milliardaire. Le jaune. La peinture jaune. Le jaune dedans. Tu n'as aucun style. Hmm? Même comme ça, j'aime. Salut, salut, je suis l'artiste Blackie Star. Même comme ça, j'aime toujours mon artiste Blackie Star. Si. Tu ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Je l'aime jusqu'à. Même comme c'est toi qui l'as ou c'est toi qui es le producteur de Blackie Star. Moi, je l'aime trop. Hein. Tout ça là, tu postes ta chambre sur Facebook. Tu postes ta chambre pour attirer les gars pour qu'ils viennent te gnasser.
Regardez un peu les oreillers d'une femme. Regardez un peu, hein. Regardez le lit d'une femme, hein. Ça, c'est son lit. Regardez. Regardez les draps. Draps bleus. Depuis quand une milliardaire se couche, regarde. Voilà ton drap, hein, sur le lit. Voilà ton drap. Toujours le tapout, hein. Fabrication tapout du pays, là. Regarde les oreillers. Jusqu'à tu filmes, tu mets sur Facebook. Regarde. Tu es très villageoise. Regarde. Tu as vu comment tu dresses le... Regarde. Dis-lui qu'elle me demande le titre foncé. Dis-lui que je n'ai pas, qu'elle vienne arracher. C'est lent. Donc, elle doit lui montrer le titre foncé. Non, je n'ai pas le titre foncé. C'est sa maison. N'importe quoi. Elle me fait rigoler, celle-là. Dis-lui que depuis qu'elle est rentrée des États-Unis, pourquoi elle efface tout? Parce qu'elle veut qu'elle, hein, elle cherche le mariage. Mais laisse-moi te dire, tu n'auras pas ce mariage-là. Tu n'auras pas ce mariage. Tu es tellement méchante. Tu es tellement mesquine. Marthe Chopin, elle ne savait pas que tu étais aussi méchante. Non. Donc, c'est ton artiste, hein. Regardez la maison de quelqu'un. On dirait l'église. Regardez la maison de quelqu'un, hein. Voilà la maison. Voilà sa maison. Regardez la maison de quelqu'un. Regardez la maison d'une benguisse. On dirait que l'église protestante. Regardez sa maison. Marthe Chopin, ta maison ressemble à l'église protestante. C'est là-bas vers... la série de Ubat là-bas, en descendant. Avant la cité, il y a une église là, protestant. Les Bassas sont beaucoup de protestants. Regarde ta maison, on dirait l'église protestante. Est-ce que je mens? Regardez bien. Ça ne reste, regardez comment elle est vue. Le jaune dehors, le jaune dedans, maman. Regardez. Elle est en train d'écrire que quoi, palais, le... Ouais, le palais des Toudissiers. Résidence Chopin. Regardez comment elle est villageoise. Regardez. Où sont les plantes? Regardez. Ta maison ressemble à l'église protestante. Je ne manque pas. Hein? C'est quoi ça? Tu ne peux pas ranger. Regarde. Regarde-moi les choses. C'est elle qui dit tout comment elle est riche. Hein? Regardez. Ça ne ressemble pas à l'église protestante. Ouais, pardon, dites-moi. Un PC veut dire que tu n'as pas de goût, maman. Ta maison ressemble à l'église protestante. Je te dis la vérité. Regarde. Tu n'as aucun style. Regarde-moi la maison de quelqu'un le jour. Tu es trop villageoise, pardon. Tu es trop vilain, con. Mais mets le blanc. Tu peux mettre du blanc ou du gris, tu. Regarde. Regardez, hein. Regardez. Avec le staff. Moi, je ne comprends pas les gens du Cameroun. Hein. Pourquoi vous aimez gnac-gnac le staff comme ça? Bébé, Emma veut manger les beaux. Bébé et maman veut manger les bonbons. Ouais, l'église quoi, EPC 12. Ouais, la vieille chouette de Marthe Chopin, si. Tu es terrible, regardez. Hein. Voilà ton salon, voilà les chaises où tu t'assois dessus, maman. Attends, je mets l'éclairage. Maman, voilà, tu es, voilà une benguisse, voilà les chaises. Regarde. Tu vas quoi? Le jaune, regardez les murs. Bébé Emmanuel, il est bien né, hein, avec la cuillère en or. Oh, bébé Emma. Elle montre le frigo, hein. Tout ça, c'est pour montrer le frigo américain. C'est lent. Que c'est quoi? Tu as acheté ça, Adam? Merci, maman. On vend ça à combien?
Elle voulait montrer le frigo américain. Pour montrer qu'elle a aussi le frigo américain. Ma tante te connaît. Arrête de montrer ta vie sur Facebook. Dis donc, c'est pas intéressant. Laisse ça. Si c'était au moins le genre que c'est le rêve. On pouvait comprendre que non, ta vie fait rêver. Ta vie ne me fait pas rêver, maman. Je te manque pas. Je te vois comme une lame d'Ambenguis qui est rentrée parce que la vie est chère, Ambeng. Pour payer, la vie est chère. Pour vivre, Ambeng, c'est le qui peut, maman. C'est le qui peut, ce n'est pas le qui veut. Est-ce que c'est qui tout le monde? Tu payes quoi au pays là-bas? Tu payes quel impôt? Tu as fui l'Europe exprès. Tu viens de temps en temps. Regardez sa cour. Regardez sa cour. Où sont les plantes? Regardez. Regardez, hein. Regardez. Ma, tu n'as pas de si. Regarde la cour. Tu pouvais te faire un beau truc. Regarde. Tu pouvais, ma, tu pouvais te faire un beau truc. Hein? Tu pouvais faire un beau truc. Tu n'as pas de... Mais attends. Tu es très villageoise. Il faut aller apprendre. Va apprendre. Hein? Regarde. Ça, c'est le chez toi. Hein? Regarde. C'est le chez toi. Voilà. Avec tous les architectes qui sont au Cameroun là. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Hein? Regardez la cour. On hein? ne pleure pas. Regarde la cour. Dis-moi un peu, ton plan est que comment comme ça? Ça n'a pas de sens. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Tu n'as aucun style. Regardez la cour. Hein. Le jaune partout. C'est tout parce qu'à Yaoundé, il y a la poussière, maman. Il y a. Vraiment, ma chère. Comme... Non, pourquoi vous voulez qu'il mette Lambert? Lambert n'a rien à voir là-dedans. Ne mélangez pas tout. Lambert, il fait sa vie. Donc, ne mélangez pas que le poète de Lambert. Non. Lambert, il fait sa vie. Il faut respecter les gens. Regardez la femme aux escaliers. Maman, regardez les escaliers d'une bengue. Bleu, jaune, regardez. Mat, ce sont les escaliers qui vont chez toi en haut. Tu ne sais pas que tu peux mettre un tapis au milieu? Hein? Regarde. Mais tu exagères, hein? Je suis sûr que tu as reçu Blacky Star chez toi comme ça, là. Tu lui as même donné quoi à manger. Comme tu es villageoise, tu ne sais même pas dresser une table. Tu ne peux pas dresser une table. Tu sais, les gens avec les ngongolingongoling. Les ngongolingong. Quand tu voyages en première classe. Porte quoi? Tu es tellement mesquine, tu es mauvaise, plus jamais. Je dis qu'un, hein, jusqu'à la terre finisse. Plus jamais moi. Mais de passer depuis des années, tu faisais tes couilles, tes noyaux là. Quand on se voit, on rigole toujours ensemble. Vous me prenez même pourquoi à la fin? Hein? Vous me prenez pourquoi? Une femme qui n'a aucun style. Quand tu arrives dans les pays, tu vois les choses, tu ne peux pas, tu n'as aucun style. Tu es villageoise jusqu'à demain. Et c'est toi qui veux trop faire comme si tu peux donner les leçons à qui? Tu ne peux pas t'asseoir et dresser une table pour faire une belle réception. Je vois pourquoi tes gars là te laissent toujours. Une femme africaine doit pouvoir recevoir sa belle famille. Tu peux faire la réception où? Nulle part. Tu es tellement méchante. Moi, je ne pensais pas ça de toi. Hein. Je te dis sincèrement. Regarde l'intérieur. Regardez-moi l'intérieur de la maison de quelqu'un. Mais allô, quoi? Regardez. Hein. Attendez, je vous montre. Attendez, cache le numéro qui m'a envoyé ça. Regardez l'intérieur de la maison d'une femme. Regardez l'intérieur d'une bengise. Regardez le tapis. Ça, ce sont les tapis qu'on vend au marché central pour les bensikineurs qui viennent de prendre leur maison. Regarde ton tapis, Marthe, je sais pas. Je vais te montrer ce style de tapis, le vrai. Le vrai de ce tapis qui est venu de Conforama, que j'ai envoyé au Cameroun, là. Regarde ça, là. C'est ce que tu as ramassé là-bas à Mokolo. Regarde, tu n'as aucun style. Arrête de venir sur Facebook, faire comme tu vas donner les leçons aux gens. Regarde les escaliers.
Eh, qui t'a conseillé, Adama? Regarde. Regarde l'intérêt, regarde la télé. Regarde, regarde-moi. Regardez-moi chez une benguise, comment les fils pendent. Regardez. Regardez-moi chez quelqu'un qui dit qu'elle est milliardaire. Elle est comme ça au salon, hein. Regardez un peu le séjour de quelqu'un qui dit qu'elle est milliardaire, voyage partout dans le monde. Regardez, ça c'est dans son salon. La télé, c'est quoi? Les couleurs de ça, regardez les fils qui pendent. L'arc-en-ciel. Elle peut faire des leçons sur sa vie que de parler des gens. Regardez les escaliers. C'est quoi ça? C'est quoi ces couleurs à la con? Les couleurs à la con. Hein? Voilà. Regardez un peu comment elle est villageoise. Regardez comment elle met deux tapis par terre. Regardez un peu. Voilà un tapis là-bas. Regardez encore. Regardez la décoration. Maman, je peux t'aider, hein? Non, ce qui m'étonne, c'est parce que hein, tu es une fille qui voyage beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi tu ne triches pas le style chez les gens. Tu voyages beaucoup. Tu ne triches pas le style. Pourquoi? Regardez. Regardez ce qu'elle écrit. Mate Chopa. Qui va voler la. Lorsqu'elle mélange même le tapis. Hein? Tapis différent. Ouais. Deux tapis différents. Regardez-moi les choses. N'importe quoi. Au lieu de s'asseoir, quand tu vas aller en mariage, c'est comme ça que tu vas faire, mamie. Hein? Quand elle va aller en mariage, c'est comme ça qu'elle va faire. Hein? La honte de ça. Hein? C'est quoi ça? Je vais te montrer le tapis. Le tapis que tu as là. Attends, j'ai demandé à... Attends. Florian a lavé. J'ai envoyé le tapis pour Noël. Pour changer la déco à la maison. Attends un peu, je vais te montrer quelque chose, Matt. Voilà le vrai tapis là. C'est ce que j'avais ici, j'ai envoyé au Cameroun. Regarde. Voilà ce qu'on appelle, si tu veux vraiment le tapis doudouillet. Voilà le tapis là. Attends, voilà ça. J'ai envoyé au Cameroun. Attends, elle m'a dit que quoi, les trucs sont arrivés. Attends. Voilà. Voilà les tapis que j'ai envoyés, on a lavé. C'est ce que j'avais ici, j'ai utilisé seulement une fois. Deux. Comment tu peux mettre deux tapis différents dans une maison? Au salon. Espèce de villageoise. Ça, c'est ma chambre. Ça, c'est ma chambre au Cameroun. Ça, c'est ma chambre. Florian, nettoie tout bien. Voilà ma chambre. Regarde. Voilà les fûts qui sont arrivés au Cameroun, les tapis. Voilà ça. Tu n'as aucun style. Aucun style. Voilà. Tu n'as aucun style. Aucun. Et tu viens parler aux gens sur Facebook. Tu es qui? Hein? Elle est qui? Franchement, pitiation de ça. Cette fille, elle me sort de partout. Hein? Elle est vraiment énervante. Franchement, elle m'énerve. Elle n'a aucun style et c'est elle qui veut parler. Regarde la maison d'une bengisse, regarde. Regarde. Tu as vu? Regarde bien, regarde. Ça, c'est quand je n'avais pas encore mis l'autre tapis, regarde. Tu as vu? Tu n'as aucun style. Regarde, tu as vu? Essaie même de copier. Essaie même de copier. Hein? Franchement, quand même, les gens sont quand même graves, putain. Hein? Regarde, je te demande ses mains. Regarde.
Tu as vu, regarde le mur. Avec le blanc, tu peux mettre ce que tu veux. Regarde le mur. Hein? Attends, là, je t'avais doudou. Ça, c'est chez ma copine. Là, c'est chez ma copine. Elle va te montrer ton gars, là. Tu as vu? Tu as vu? Ok. Regarde. Ça, c'est au village. Ça, c'est dans mon village. C'est chez moi, au village. Regarde comment une femme sert à table. À Fokwe, regarde. C'est au village. Mais regarde la vaisselle. Tu n'as aucun style. Ça, c'est au village. Moi, j'ai cuisiné et voulais recevoir les amis qui étaient passés dans mon village. Regarde comment je dresse la table, même au village. Hein? Tu as vu? Regarde comment j'ai dressé la table. C'est au village, mais regarde. Ça, c'est la photo de mon père que j'ai mis chez moi. Tu as vu comment une femme dresse sa table? Tu reçois les gens sur les vérandas. Sur les vérandas. Et elle veut parler comme celle-là. Elle a quel style? Elle a trop de choses à dire. Hein? Tu as quoi à dire? Ça, c'est chez moi dans mon village. Même rien que ma maison dans le village, là, ça dépasse le. C'est que tu dis que tu es à Yaoundé, là. Parce que tu n'as aucun style. Hein? Tu n'as pas de style, pas du tout. Ça, c'est dans mon village. Tu as vu? C'est chez moi au village. Tu as vu? Moi, une villageoise hors pair. Une villageoise qui n'a pas de sens. Et elle veut parler aux gens. Hein? Bonsoir, mon cœur. J'espère que tu vas bien. Le cœur, là, c'est qui, maman? Hein? Porte quoi? Moi, j'aime pas quand les gens cherchent trop à faire comme si. Regarde, comment on met. Comment, ça, c'est un truc qui a capturé. Attends, je cache. Regarde comment celui-ci est couché sur les chaises, sur le truc de ma mère. Ça, c'est la caméra de surveillance qui a suivi. Regarde, comment tu peux mettre deux. C'est la caméra qui a filmé. Regarde, comment tu mets deux tapis différents. Attends, même, allons même sur les caméras. Alors, s'ils dorment déjà. Donc, je peux aller sur les caméras à la maison. Je vais regarder ce qu'on a fait en journée. Ça pack. Attendez, je vois d'abord s'il y a la connexion. S'il y a la connexion, on va aller sur les caméras. Les gens sont là, faut que le village est le plus célèbre de Facebook. Ah oui, oui, oui. Hé, hey, mon frère, est-ce que je donne le lait? Oh, est-ce que je ris, maman? C'est seulement parce que Facebook s'y mélange les gens. Et voici, il y a la connexion à la maison. Il y a la connexion. Maison à Douala, voilà. La maison à Douala est... Voilà, la maison à Douala en ligne. Donc, je vais cliquer. Voilà. Je vais voir d'abord les qui sont là. On va guetter. La maison, c'est libre. On va aller où? On va dans quel... On va où? On va aller d'abord dehors. Ici, on va regarder la journée. On va regarder ici. Caméra 1. On va aller là. On va voir. On avait coupé la lumière. Quand c'est le noir, ça veut dire qu'on a coupé. On va mettre quand il était 14h. Ça charge. Ça charge. Comme c'est... Hein? Voilà. On va voir là. Ça, la maison en journée. Voilà. Marthe, je ne sais pas, arrange-le chez toi. Arrange-le chez toi, mamie. Voilà ce qu'on appelle une benguisse. Regarde. Je pars, je fais. Il était 13h. On va guetter. Bon, il n'y avait personne. Personne n'a rien fait. Ok. On va aller sur la caméra, combien? On va changer de caméra, on va aller au salon. Les gens dorment. On va aller peut-être à le matin. À charge. Voilà ce qu'on appelle chez une bengue. Ça, c'était le matin. Regarde bien.
Je ne suis pas là, mais c'est tout bien rangé. Tu as vu? Hein, j'espère qu'il y a... Hein, j'espère qu'on ne m'a pas cassé, mais... Où sont les trucs? Ah, là, je pense qu'elle est en train de faire le ménage. On va regarder un peu. Je ne vois pas les fleurs sur les tables. Pourquoi? Ah, voilà Joseph qui tourne. Il parle avec qui, là? Il part où? On va regarder. Tu n'as aucun style. Quelqu'un vient mettre le tapis. On guette. Hein. Pardon, je ne vois pas mes pots de fleurs là sur la table. Là. Hein. Hein. J'espère qu'on ne va pas mettre la poule à casser. Je ne vais rien savoir. Et la lampe si pourquoi s'est levée comme ça? Pourquoi la lampe si est levée comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Mes choses, oh. Je vois un peu. Ah, ils faisaient le ménage. Ils sont là. Ils faisaient le ménage. C'est bien ça. Voilà mon petit frère qui est assis là-bas. La chaise, elle est là. Celle-ci est couchée où là? C'est ça qu'on appelle une benguis. On va guetter à la cuisine. Là, c'est caméra du salon. On va attendre. Pas d'image. Ok, c'est comment? Attends, on va aller à la cour. Quand il fait comme ça, ça choque les gens qui me détestent mal. Ils disent qu'elle veut montrer quoi? Elle veut sauf que montrer. Oh, ah. On va aller sur 13h. Voilà ce qu'on appelle une benguis. Va ranger le chez toi. Regarde, montre-moi ta cour, voir ma tête pas. Arrange où tu vis, chérie, avant de venir parler. Ma faut une pile. Non, je ne m'attends, je n'ai pas monétisé, donc. Même si c'est 10 heures de direct, ça va changer quoi? Ça m'apporte quoi? On va guetter pour voir. Montre les réalisations. Ah, mes réalisations, je montre, non, maman? Voilà, une femme met les plans, regarde. Regarde les plantes. J'ai agrandi, je regarde. Voilà le parasol. Voilà. Voilà. Donc, dis-lui que hein, ça là, c'est une déco qui est sortie. Les petits sauts, si vous m'aviez dit que oui, tu as fait comme si c'était le jardin. Non, ça n'a rien à voir. C'est une déco. C'est à la mode. C'est manqué. Donc, il faut lui dire, attends, je vais regarder la caméra combien là. Je vais regarder la cuisine. Elle nous montre le frigo américain. Maman, j'ai le Samsung. Ça dépasse ça. Là. Les gens s'y ont préparé quoi? Attendons, on voit la personne qui prépare les gens. On va dire qu'ils ont préparé à 13 heures par exemple. Il y a quelqu'un qui est en train de préparer là. Ils sont en train de cook. On va voir ce qu'ils préparent. Où elle a fini. Celui-ci allume. C'est qui allume le gaz comme ça? Sa copine, si. Hein, ils sont toujours en train de me finir le gaz, là. On va me finir le gaz. Au moins, ils arrangent bien, c'est propre. Elles sont en train de préparer quoi, les jeunes, là? Elles préparent quoi?
Ouais, ma chérie, elles sont deux pour quoi là? Pardon, on attend voir ce que les filles là préparent. C'est quoi qu'elles ont préparé dans la marmite? On va. On ne voit pas bien. C'est la sauce d'arachide. Avec le riz. Hein. Vraiment. Le haricot est. Ouais, le blanc est fort. Quelqu'un peut y aller dans le salon de qui? Ça ne va pas, non? Chez ma mère. Ah. Les filles, là, sont, elles ont préparé le riz aux arachides. Quand je m'ennuie, je guette et regarde. Ah, voilà celle-là. Elle prépare quoi? Elle va si elles sont des coucou. Elle peut pas le haricot. Hein. C'est le riz. Elle prépare quoi? Florie aussi est caméra dans les chambres, même dans les toilettes. Partout. Même dans les toilettes. Quand tu prends mon ton, on te voit. Il y a les caméras dans les chambres. Oui, il y a. Il y a les caméras dans les chambres jusqu'à. Eh, hey, celle-ci goûte la soie, elle goûte la viande. Elle a goûté. Eh. Hey. Oh, elle a goûté. Elle a goûté, elle a goûté, elle a goûté. Elle a goûté. Ouais. Donc, mes gens, c'était juste pour un coup de gueule. Hein. Je vais aller me coucher, je suis fatiguée. C'était pour lui dire que quand on veut vivre comme une Bengis, on doit vraiment être comme une Bengis. Qu'elle n'a rien d'une personne qui a vécu en nous. Qu'elle n'est qu'une villageoise. Oui. Qu'elle n'est qu'une villageoise. Qu'au lieu de rester et s'intéresser à ma vie, parce que je suis sa super, super star. Quand elle était à l'Olympia l'autre jour, comme si elle sortait du champ, elle était comme Michelin. Toujours avec son même t-shirt du Cameroun. Franchement, cette femme est tellement villageoise, vilain-con-con que je ne comprends pas. Hmm? Qui a ces trucs de l'Olympia? Quand elle était à l'Olympia, là. Quatre ménagères. Vous savez que les ménagères du Cameroun ne travaillent pas. Elle a quatre ménagères, maman. Moi seule, je fais le ménage plus que ces quatre ménagères. Oui. Oh. Toujours le t-shirt, le t-shirt, le t-shirt. C'est quoi? Elle ne peut pas s'habiller élégante comme une femme de son âge. Cette vieille peau. Hmm? Elle peut s'habiller comme une femme de son âge. Elle n'a rien d'une personne qui a vécu en Europe. Regardez comment je vous ai parlé. Je n'ai même pas bu un verre. Je n'ai rien bu. Bonne nuit. Donc, maintenant, elle fait un post sur moi. Vous me dites, maintenant, on va ouvrir la ligne sur elle. Parce que j'ai parlé seule. Ça sera maintenant le débat sur elle chaque soir. Si elle ne me dépose pas. Si elle ne me... Ça dit que... Je n'ai jamais compris. Comment tu peux être jalouse de quelqu'un? Mais je ne comprends pas. C'est de la jalousie. Sinon, vous allez comprendre que j'ai déjà discuté avec... J'ai déjà parlé la femme là sur Internet. Hein? Bonne nuit, je vous aime. À demain, non. Demain, vous savez que demain, c'est férié, non. Je vous aime, merci de m'avoir écouté. Demain, on a un gros chantier. Demain soir. En même temps, j'ai un anniversaire. Je vais aussi me reposer quand même. Bisous, bonne nuit, à demain.